Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour Yannick. Bonjour Franck. Je suis Franck Païen, je suis avec vous pendant 1 heure et demie, 2 heures, avec Yannick Cordemy. Yannick est photographe. Oui. Et maquettiste, graphiste... couteau suisse. Couteau suisse, couteau suisse de l'image, couteau suisse du visuel. Mm. Et on se rencontre parce que c'est j'ai vu passer tes travaux au détour d'un article qui nous a été posté sur Creative Connection, un des blogs d'Adobe, sur lequel tu présentais ton bouquin qui s'appelle Chasseur de brume. Alors je vais vous mettre le lien de l'article, de l'interview, que vous avez pu retrouver d'ailleurs sous le... Vous avez pu la retrouver en fait sous la description, si vous cherchez, juste en dessous. Normalement j'ai mis le lien de cette interview, je suis pas tout à fait sûr, mais il faut que je vérifie tout à l'heure. Donc on va être ensemble pendant 1 petite heure. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, sachez que c'est un direct, sous-entendu nous pouvons discuter avec vous et échanger via ce chat sur lequel j'écris aussi à côté de vous, et on va pouvoir justement, vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent et qui correspondent à ce qu'on est en train de faire avec Yannick aujourd'hui. On va pouvoir aussi partager nos écrans sur lesquels je vous montrerai son travail, un peu des influences, les gens avec lesquels il travaille, et puis tu vas nous présenter un petit peu, je pense, ton portfolio, ce que tu mets dessus, tes derniers travaux, tes aspirations, enfin tout ça. Ouais. Ok, très bien. Pas mal de sujets, je pense. Si vous êtes avec nous, petite question, vu qu'on a mis aujourd'hui comme icône du Photoshop et du InDesign, dites-moi les uns les autres, est-ce que vous êtes 50% Photoshop, 50% InDesign, ou 30-70, enfin voilà, vous faites une évaluation de loin du type d'application que vous utilisez, parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu quelle est l'audience. Et pour tous les gens qui nous suivent sur le replay, il y aura aussi moyen d'utiliser les commentaires, on est sur YouTube, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez même nous regarder 2 fois plus vite si vous trouvez qu'on était très tranquille ce jour-là. Et puis voilà, on va avancer un petit peu tranquillement de cette manière-là. Hop, je vais vous mettre le partage de mon écran dans un premier temps, parce que j'ai mon blog et j'ai ce lien là, enfin j'ai mon blog, j'ai le blog Adobe, check. Donc hop, oula, je suis un peu perdu. C'est pas grave, on est parti un petit peu dans un coin. Ce petit article, donc là maintenant il commence à dater, il a 1 mois. Oui, il est tout neuf. Ouais. Pour moi il est tout neuf. Pour toi il est tout neuf. C'est une Twingo immatriculée dans le 77. C'est ça. Donc t'es proche parisien. Très proche. 2 pas de Paris. Donc je viens d'une ville qui s'appelle Volpénil, c'est à côté de Melun. Et donc oui, donc cette photo, pour moi, elle évoque énormément de choses sur toute la série Dans le brouillard que j'ai pu réaliser dans ce livre. Et cette voiture a une histoire très particulière. j'ai beaucoup d'affection pour cette Twingo. Voilà, donc Dans le brouillard du coup. Et ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette image, c'est le fait qu'on n'arrive pas à croiser mon regard. Mm. Donc c'était volontaire en fait, j'ai vraiment cadré de sorte à ce que on comprenne que moi ou un être humain, enfin peu importe qui est debout sur la voiture, on s'en fiche un peu, soit debout en train de regarder l'horizon, au milieu d'un champ, en pleine campagne, avec le regard perdu au loin, en essayant de chercher quelque chose. En fait, mais mon regard est interprété par les phares de la Twingo. D'accord. C'est ce qui me plaît beaucoup. Après, c'est le fait d'être, comme beaucoup de photographes, pas présent à l'image. Non, j'essaye. En tout cas, de pas trop être présent sur cette série-là. D'accord. La série Chasseur de brume. Après, voilà. Donc, du coup, c'était un parti pris assez intéressant à développer. Le fait de pouvoir couper un peu l'humain de l'image, tout en le mettant. Ouais, ouais. Je trouvais ça assez intéressant à creuser, essayer de trouver des pistes, des axes, etc. pour avoir une série cohérente. Autour de l'humain, autour de la nature, le temps qui s'arrête, le fait que les photos soient uniquement en noir et blanc aussi. C'était pour moi une manière de pouvoir créer des photos sans refléter une époque. D'accord. sans interpréter une certaine époque. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tous les filtres qu'on peut retrouver sur Instagram et sur d'autres applications mobiles, on est en quelque sorte, enfin c'est mon point de vue, hein, après peut-être que c'est pas partagé par tout le monde, je pense qu'on est en train de marquer un peu l'histoire de la photo. Ouais. On est beaucoup à faire beaucoup de belles choses. Ouais, ouais. Et voilà. Et le noir et blanc, voilà, la série de photos que j'ai faite dans le noir et blanc, pour moi, c'est une série qui peut être interprétée à n'importe quelle époque. Le brouillard et la brume, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est ça, il y a peu d'éléments identifiables qu'on peut dater avec, dessus, ouais, carrément. Carrément, carrément. Alors du coup, pendant qu'on discutait, j'étais en train de dérouler un petit peu la page de ton site, enfin de cet article, pardon. Et sur cet article, c'est vrai que à la fin, on parlait de la campagne Ulule pour le livre Chasseur de brume. Oui. Et du coup, cette campagne Ulule s'est achevée il y a 2 semaines, je crois. C'est ça, à peu près. Et du coup, tu as pu fabriquer ce livre. Oui. Ça y est. Enfin, t'as pu le lancer en fabrication. J'ai pu le lancer en fabrication. Il est parti chez l'imprimeur il y a moins de 24 heures. Bravo. Voilà, merci. donc ça y est, ça existe pour de vrai. Lancé, ouais, ça y est, enfin. Et on va un gros projet à réaliser. Donc en gros, pour les personnes qui découvrent un peu mon projet d'édition, Chasseur de brume, c'est un voyage dans le brouillard et dans la brume uniquement. Un voyage de 4 ans. Ça fait 4 ans que je marche tout seul. Que je me lance en pleine campagne ou même pendant des voyages aussi. Des fois, j'ai eu l'occasion d'avoir des décors un peu brumeux qui se prêtaient au sujet, où j'ai pu faire des photos, notamment au ski. Où, voilà, la station des Jets, c'est une station que je connais depuis très longtemps grâce à ma femme. Et on adore skier là-haut, donc je connais plutôt bien les montagnes là-bas. Et donc, j'ai mis 4 ans pour faire cette série de photos et créer ce livre. D'accord. Et là, tu me disais, t'es venu avec l'exemplaire. Avec un exemplaire démo. Alors attends, je vais tenter un truc. Une fois de temps en temps, j'y arrive correctement. C'est pas toujours le cas. C'est de voir si l'appareil photo va se mettre en mode je prends des photos. Et si je vais réussir à récupérer pour qu'on puisse voir un petit peu, parce que là, on est en tout petit. Attends, je vais nous mettre en grand là-bas. Check. Voilà. Là, c'est moi. Salut. On va le prendre sur l'appareil photo ici. Check. Voilà. Et oh zut. Bon, il veut pas tourner, mais c'est pas très grave. Regardez. Donc ça c'est le premier exemplaire du livre, c'est l'exemplaire test un petit peu. C'est ça. C'est l'exemplaire que j'ai eu que j'ai reçu à l'exposition. J'ai fait une exposition à Lille. Et du coup, ouais, c'est les premiers exemplaires que j'ai reçus sur place pour le présenter. Pour pouvoir présenter vraiment le contenu avant le lancement officiel du livre. Et par contre, le bouquin sera en couverture cartonnée. Non, c'est exactement le même. Ce sera vraiment ce format-là. Donc la couverture est souple. Couverture mat avec un papier brillant à l'intérieur. Histoire de pouvoir faire ressortir les photos. L'article. Alors tiens, ça tombe bien parce que du coup, ton portrait, tiens, il a identifié en tant que toi. C'est Johan Dorlipo, dont tu m'as dit qu'il était un pote à toi et qui faisait pas mal de photos aussi. Oui, mais il est photographe, hein. C'est lui qui m'a formé, pour moi en tout cas, qui m'a appris à prendre des photos, voilà, qui m'a donné les astuces. Et on a eu l'occasion de partir en voyage ensemble avec un troisième pote, Florent, à Annecy. Donc à la base, on était parti à Annecy pour aller chercher le soleil, le ciel bleu, etc. Et il faisait moche, donc on s'est retrouvé à créer cette série en fait entre nous, 3 potes photographes lancés en plein nuage en fait. Et je les ai initiés à la brume. Et alors, t'avais commencé à shooter dans la brume en amont ou J'avais commencé moi, j'étais déjà à fond dans mon sujet. Et en fait, comme il faisait pas très beau et qu'on cherchait des choses à faire et tout, donc moi j'arrêtais pas de leur prendre la tête pour prendre la voiture et aller viser le nuage qui caressait la montagne au bout de l'horizon, du décor, etc. sur les hauteurs d'Annecy. Et à la fin, bon, ils en avaient marre, ils m'appelaient plus Chasseur de brume mais Casseur de burnes. Donc ça a créé un surnom. Bravo. Et donc merci à eux, parce qu'en tout cas ça m'a poussé à aller jusqu'au bout du projet. Et ils ont adoré. Ils ont adoré photographier dans la brume, on a réussi à faire des séries très, très esthétiques de nuit. Avec les lampes torches, je sais pas si on peut retrouver la photo. Vas-y, je te laisse piocher dedans parce qu'on voit qu'il y a quand même il y a une centaine de pages dessus. Ouais, c'est ça, il y a 100 pages en noir et blanc. On retrouve ta Twingo. Ouais, la fameuse. Il y a Guy André Beau qui est présent et qui te souhaite le bonjour et qui dit que vous avez de la famille en commun. Guy André Beau. Ben, bonjour Guy André, enchanté, super. À la famille Cordemy, on est beaucoup. Hein. Bah, d'ailleurs, on en retrouvera tout à l'heure parce que tu m'as dit qu'il y avait d'autres Cordemy qui faisaient tous les Cordemy qui nous regardent. Donc voilà, c'est cette photo-là. C'est là. Donc les gens, pour la première fois, quand ils la découvrent, ils ont l'impression qu'il y a une voiture derrière avec les pleins phares. En fait, c'est deux lampes torches. D'accord. Donc t'as pas risqué ta vie réellement cette nuit-là? Non, 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 du tout. On était seul au monde, en plein milieu de la route, en pleine montagne, il devait être 1h du matin. Et on a expérimenté donc les lampes torches dans le brouillard, de nuit, avec des temps de pause d'exposition vachement lents. Et on arrivait donc à ce résultat un peu... Et alors pour le coup c'est du numérique, c'est pas de l'argentique? C'est du numérique. Après je triche, voilà, mon côté graphiste prend le dessus. Oh non, j'essaye d'appliquer... un style de retouche qui me rapproche de du rendu argentique dans mes photos. Mais c'est uniquement des photos en numérique, j'en ai une. Alors, du coup, il y a Panda Prod qui nous dit, mais Yannick, est-ce que vous shootez en couleur, puis vous les traitez en noir et blanc sur Photoshop ou Exactement. Ouais, ça permet de récupérer plus de fréquences. Ça permet de récupérer, et ça me permet aussi, bon après c'est pas dit encore, hein, mais j'y pense, de faire une réédition couleur. D'accord. Parce que tu penses qu'il y a une partie des photos qui se prêteraient à cet exercice? Toutes les photos. Il y en a plus ou moins qui fonctionnent. Je vous montrerai des exemples en vidéo tout à l'heure. Mais il y a des décors vraiment en couleur qui dégagent vraiment quelque chose de sympa. Plus qu'en noir et blanc. Mais oui, mes photos sont vraiment en couleur. Alors du coup, c'est vraiment c'est un parti pris pour la sortie de Chasseur de brume d'être parti sur du noir et blanc. Quoi. T'as démarré du coup la session, enfin toute la série en noir et blanc au départ, ou tu t'étais dit qu'elle vivrait en couleur un jour? Noir et blanc. Noir et blanc directement. Ça me semblait évident parce que la première photo que j'ai pris dans le brouillard en fait, c'était le lendemain de ma première exposition dans le 8e où j'exposais avec Johan Dorlipo. D'accord. Donc le samedi on était invité chez les grands-parents de ma femme. Ils habitent vers Nogent, donc direction de Troyes, c'est assez loin. Il y a une heure de route en tout cas de Melun pour y aller. Et il faisait super beau ce jour-là. Et tout à coup, à un moment donné, sur la route, on a rencontré un banc de brouillard. D'accord. Mais sur, je sais pas, peut-être une vingtaine de mètres, alors qu'il n'y avait pas un nuage ce jour-là. Et sur cette parcelle de route, on a retrouvé donc un banc de brouillard. Et là, je me suis arrêté et j'avais mon appareil photo avec moi. C'était le lendemain de l'expo. Et je me suis dit, bon, moi je pense que là, voilà, je tiens à un sujet où il y a peut-être quelque chose à créer autour de la brume, autour de brouillard. J'ai trouvé ça vachement graphique, esthétique de pouvoir photographier des arbres avec des routes, avec de la symétrie. Donc je me suis vite prêté au jeu et après, ben, voilà, j'ai été à la recherche des spots les plus proches de chez moi pour essayer de créer un voyage un peu onirique sur les routes de campagne avec beaucoup de. Un maximum de poésie, en tout cas, j'essaye. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai exposé à Lille, il y a eu des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression d'être apaisés et angoissés en même temps par la même photo. Ça réveillait un sentiment, mais vraiment partagé. De rappeler des souvenirs de route nationale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, donc oui, en noir et blanc tout de suite, parce que ça, c'est cette photo-là, la première photo de la série. La toute première. La toute première photo, c'est celle-ci. Et donc là, c'était le lendemain de ma première exposition, et en allant donc chez les grands-parents de ma femme, on a traversé ce banc de brouillard qui était installé sur une vingtaine, voire une trentaine de mètres. Et donc je suis descendu, on a fait quelques photos, donc il y a eu celle-là, et une autre aussi, avec un autre cadrage, sur le même lieu. Oh là là. Il y en a un paquet quand même. J'ai eu la bonne idée de ne pas les mettre dans l'ordre. Alors tu les as pas mis dans l'ordre, mais alors si je dis pas de bêtises, derrière tu nous as fait un index. Alors c'est pas vraiment un index, c'est plus un best-of. Enfin mon best-of à moi. C'est ton best-of à toi. D'ailleurs ce qu'il y a de bien dans ton best-of à toi, ça va répondre à une question qui nous a été posée par qui j'ai vu passer ça, par Chris, qui nous dit mais tiens d'ailleurs avec quoi tu shootes? Donc visiblement c'était du D600 pour la plupart des photos. Voilà. Ouais. Et j'ai un D800 depuis 2 ans, donc j'ai fini mon voyage avec un D800. Après, faut savoir que la brume et le brouillard, donc pourquoi Chasseur de brume? Il y a un côté aussi où j'ai cherché à la traquer à l'appréhender, à la photographier, donc simplement. Ouais. Et souvent, quand j'arrive à trouver un spot ou un décor avec de la brume ou avec du brouillard, c'est souvent des moments où j'ai pas trop le temps de faire de la photo. Donc je vais photographier avec ce que j'ai dans la poche. Donc par exemple, là, cette photo-là, la série avec le train, la photo symétrique avec les rails, c'est une photo qui a été prise à l'iPhone 5. D'accord. C'est un matin où j'allais, je me rendais au bureau, j'allais travailler sur Paris. Et j'avais pas spécialement le temps de retourner chez moi, prendre mon sac, parce qu'il y avait de la brume à cet endroit spécifique et pas ailleurs. Parce qu'en sortant de chez moi, il peut faire très beau. Une fois que j'arrive à côté des champs et des nationales, ben, du coup, il y a un départ qui se crée. Donc je m'arrête et puis je prends des photos avec ce que j'ai sous la main. Donc ouais, un téléphone ou un argentique. Pendant un moment aussi, je traînais beaucoup avec mon argentique. Et du coup, tu faisais c'était quoi, tu te donnes des sessions par rapport à un lieu particulier, ou c'est vraiment de la balade, c'est vraiment... Bah, ça dépend, c'est ça. Donc des fois c'est spontané, je vais vraiment tomber devant le spot sans le prévoir, ou à l'inverse, si c'est un jour où j'ai du temps, je prends mon sac à dos avec tout ce que j'ai et là je pars vraiment à la recherche de spots. Ou sur des spots que j'ai déjà trouvés des jours où il fait beau. D'accord. Et que je me dis là ça va être intéressant, le jour où il y aura beaucoup de brouillard, de revenir ici, etc. D'où la route du château de Vaux-le-Vicomte. D'accord. Je savais très bien, je connaissais très bien le rendu que ça allait donner avant de m'y rendre, un jour de brouillard. Parce que je crois qu'elle fait à peu près 3 km de long, avec des arbres tout le long. Donc, avec le brouillard, ça fait vraiment ça crée un jeu de cache-cache. Entre la brume et la terre et les arbres. Alors il y a une petite question de Stéphane sur le live qui nous dit, mais est-ce que tu utilises uniquement Photoshop pour le noir et blanc, ou est-ce que tu as des plugins style SilverFX ou des choses comme ça? Non, j'utilise uniquement Photoshop. D'accord. Uniquement Photoshop. Pour la simple et bonne raison que toutes les photos qui se trouvent dans le livre ont été développées de manière unique, quoi. C'est vraiment à l'unité. D'accord. Donc j'aurais pu utiliser Lightroom, parce que j'ai l'habitude d'utiliser Lightroom pour des séries, pour retoucher en lot des images, sachant que là on n'a pas la même luminosité, donc je peux avoir de la brume très tôt le matin ou très tard le soir, je peux avoir des contraintes de couleur si le ciel est dégagé ou à l'inverse s'il est assez chargé. Donc ouais, j'essaie vraiment d'avoir un style de retouche qui se retrouve dans toutes mes photos du livre, donc sur 4 ans. Donc, réussir à harmoniser 4 ans, c'est un peu difficile avec un plugin. Donc là, j'ai vraiment opté pour la retouche unique de chaque photo. Et du coup, directement dans Photoshop, même pas justement avec l'image de référence de Lightroom et tout ça. Bah non, avec Bridge, Camera Raw. D'accord. Quand j'ouvre mes fichiers NEF dans Photoshop, j'ai une première passe sur les réglages où je dégrossis un peu. Et puis après, je vais peaufiner ma retouche avec le point blanc, le plan noir, etc. Dans Photoshop. Je pense que tout à l'heure, on ira se faire un tour dans ton Photoshop pour voir un petit peu comment tu bosses. On continue un petit peu de faire le tour de tout ce qui se passe autour de ces photos. Alors, je suis passé sur ton Behance aussi, que tu mets à jour une fois de temps en temps, comme tout le monde. J'essaye. Tiens, regarde, il y a encore un autre Cordemy en ligne. Ah, bah c'est le fameux Romain. C'est le fameux Romain. Bah voilà, Romain, salut Rocco. Donc Romain Cordemy, qu'on retrouve d'ailleurs du coup sur ton Behance, là-dedans. Tu m'as dit que vous aviez bossé ensemble et qui t'avait beaucoup inspiré. Bah, on est amené à travailler ensemble, je pense, sur le long terme, mais on est encore jeune, on est encore créatif, on a encore plein de... trop d'idées, même, je pense. C'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à avancer sur une ligne commune, mais ça va arriver. Enfin, en tout cas, j'y crois. Donc Romain qui customise énormément d'objets à la main. C'est lui qui m'a initié au graphisme quand j'étais plus jeune et que j'étais encore au collège. J'admirais ses refs quand il était lui-même déjà en train de faire ses études de graphiste. D'accord. Et j'avais qu'une envie, c'était d'être assis en classe et de pouvoir moi m'exprimer aussi, de faire des planches de créa, etc. Et j'ai suivi un peu ses traces dans le milieu. Donc aujourd'hui, on se complète plutôt bien, quoi, parce qu'on a des univers qui se touchent. Il adore le noir et blanc, il travaille beaucoup à l'encre noire. Ouais. Et puis beaucoup sur la réserve, tu disais. Beaucoup sur la réserve. Alors quand il customise un objet, en fait, il utilise la matière comme blanc, pour créer le blanc justement. Et il va vraiment rajouter tout le noir qui est autour. Donc il contourne des formes, des contreformes, etc. à la main, et il arrive à des résultats vachement graphiques. Et voilà, donc il travaille beaucoup au pinceau. Ouais, je suis fan. Je suis son premier fan, de toute façon, je vais toujours dire, Romain. J'adore ce qu'il fait. Très bien, parfait. Parfait, parfait. Bon, on parlera de Romain une prochaine fois alors. Oui, bah, sans doute. Il y a un autre projet de photo du coup qui était posté sur ton Ulule aussi, c'était le DeLorean Project. Ouais. Alors ça, c'est un peu un accident, mais je l'ai laissé parce que j'ai expérimenté l'application de sketching sur iPad et à la fin j'ai vu que je pouvais directement publier mon... Publier ton crowbar. Mon crowbar ouais, sur Behance, quoi. Donc je l'ai publié, et puis quand j'ai vu que le rendu était pas trop moche. Ouais, ouais, tu t'es dit on va le garder. Non, je vais le garder, mais il y a une histoire autour de la DeLorean. Ouais, ouais, parce que du coup, oui, c'était pas sur ce lien-là que je voulais aller. Voilà, attends. C'était pas non plus là-dessus, c'était sur le portrait, voilà. Oui, I love my Delo qui est là. Follow me my Delo. Alors vas-y, raconte un peu. Ça, c'est mon nouveau et dernier compte Instagram. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même 4 comptes Instagram. T'arrives à les suivre, t'arrives à valider tout ça. J'arrive à me suivre moi-même, c'est assez spécial, mais ça me fait rire. Je m'amuse à répertorier mes projets en fait par compte Insta. Donc pour l'instant j'en suis à 4, on verra peut-être plus tard si j'en ai plus ou moins, et si donc, je m'essouffle. Et donc c'est un compte Insta par vie artistique. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Mais sauf que lui il va rejoindre très vite Chasseur de brume parce que je vais finir mon voyage avec cette maquette qui fait donc 53 cm. Ouais. Je suis en train de la fabriquer, donc il y a un délai à peu près de 2 ans à 2 ans et demi pour réussir à la finaliser. Donc c'est une reproduction de la voiture de Retour vers le futur. Bien sûr. Et dans le premier bouquin, il y a une notion, la notion du temps est très importante dans les photos. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment voulu mettre en avant. On a l'impression que le monde il est à l'arrêt sur certaines photos. Et avec la DeLorean, j'aurais envie, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer, de la photographier à grandeur nature. Pour la mettre en situation dans des décors, des décors différents. Peut-être pas les mêmes. Je pense que je vais essayer de me renouveler quand même un peu, de voyager un peu plus en France, un peu partout en France, dans les endroits où il y a beaucoup de brume, beaucoup de brouillard par période. Essayer de me faire des voyages comme ça avec ma DeLorean et la photographier dans des décors réels en fait. D'accord. Et du coup, tu t'es amusé aussi à faire des timelapses, de la vidéo un petit peu autour de toutes les pièces, de tous les montages. Je me dis que je la montrais qu'une fois, cette voiture, vu le temps que ça prend. Elle est assez technique, elle est vachement bien détaillée. C'est une maquette qui est... Enfin, c'est un bonheur, quoi. C'est un plaisir à monter. Moi, j'adore la mécanique de base. Et le fait de faire cette maquette, ça m'occupe. Déjà d'une part, et puis en plus de ça, en vidéo et en photo, je sais... J'ai déjà à peu près... Enfin, j'ai déjà des idées... De projets sur lesquels je pourrais me pencher. Et donc là, l'idée, c'est de filmer et photographier son évolution dans le brouillard. Donc chaque étape de construction, en fait, je poste un triptyque sur ce compte Instagram. D'accord. Où on découvre toutes les étapes de fabrication de la voiture. Ok. Et du coup, ouais, c'est toi qui filmes aussi. Donc non seulement tu fais de la photo, mais tu fais un peu de vidéo en plus. Je fais un peu de vidéo en plus. Et le motion à côté, pareil. Le motion un peu moins, mais j'expérimente. J'essaye de me débrouiller sur After Effects. C'est bien, donc tu touches un tout petit peu à tout et tu t'amuses et tu te fais plaisir. Ouais, c'est ça, surtout. Ok, donc ça c'est Follow Me in My Dilo, je vous posterai le lien tout à l'heure, parce qu'on fera un grand tour de tout ça. Vers où on va maintenant? Guide-moi. Un petit peu. Alors, on a fait pas mal de des liens, que ce soit ça, que ce soit ton Flickr, tu postes encore régulièrement dessus? Oui, j'essaye de plus en plus de répertorier mes albums et de travailler par directement par album, par thème. Parce que là du coup j'ai pris toute la galerie, mais donc il y a l'album Chasseur de brume en fait. Donc ce projet-là il est né autour d'un hashtag. J'essayais de trouver un hashtag pas trop utilisé sur le brouillard pour la photo dans le brouillard. Les Chasseurs de brume n'étaient quasi inexistants à l'époque où j'ai commencé à photographier cette série, et d'où le nom du livre en fait. Et c'est pour ça que j'ai gardé le hashtag sur la couve, parce que tout est né autour de ce hashtag en fait. J'ai commencé à publier une photo, 2 photos, puis 10, puis 20. Et alors, est-ce que tu as vu des gens réutiliser ce hashtag plus tard ou pas du tout ? Alors oui, j'en vois quelques-uns, mais je pense que c'est pas voulu. On a eu plus ou moins la même idée, parce que c'est pas des gens... Enfin, on se suit pas du tout. Donc, je pense que c'est vraiment par chance. C'est complètement du hasard. C'est ça. Après, tu fais un peu de fashion ou c'est juste pour vendre tes fringues ? Ouais, non, ça c'est des prestats clients pour des clients. La photo pour habiller les sites. D'accord. L'événementiel aussi. Donc il y a un petit peu de tout sur ce compte Flickr. On va pas remonter sur sur tout. Il y a un petit peu de... Il y avait quoi? Il y avait le Combini. C'était quoi? Ouais. tout un article. Ouais, tout un article. C'est les premiers à m'avoir interviewé sur le sujet, en fait. Chasseur de brume. Et donc j'ai pu répondre à une interview sur cette série de photos. Ouais. Et effet boule de neige, il y a Fubiz qui a publié à peu près le même article très rapidement derrière. D'accord. Mais le donc, ouais. Voilà, quand tu dis le même, c'est pas complètement. Non, c'est un article Fubiz, hein, mais ils ont repris la même série de photos. Ah bah ouais, de photos, façon, etc. Ils n'avaient peut-être pas accès non plus à la centaine de pages du contenu de départ. D'accord, donc ouais, une petite notoriété qui se monte tranquillement. C'est ça, ça fait plaisir en tout cas, je suis très content de voir que les médias relaient un peu l'information autour de ce que je fais, surtout en photo, parce que moi à la base je suis pas issu d'une formation de photographe, je suis vraiment autodidacte, hein, ça fait des années que je fais de la photo comme ça, de la photo de vacances, à titre perso, etc. Et Chasseur de brume, c'est vraiment le premier projet dans lequel je me projette, où j'arrive à avoir un peu un œil rassuré sur ce que je fais en photo, on va dire, et d'où l'idée de faire un recueil et de faire un livre, de commencer à gérer la série et l'immortaliser pour de vrai, pour pouvoir la garder dans le temps dessus. Et alors tu m'as dit que tu avais une deuxième vie, parce que la photo ça t'occupe 2 jours par semaine. Oui. Et tu as une deuxième vie en agence où tu, pour le coup, tu utilises tout le reste. Ouais. D'un côté tu fais la photo, ta retouche, la partie vidéo, et après tu fais tout le reste, du InDesign, du caractère animator, de l'After Effects. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? Du Premiere à fond. De toute façon, 80% je pense aujourd'hui de mon activité en entreprise, c'est de la vidéo. D'accord. Donc je filme, je suis amené à filmer des intervenants sur fond vert ou dans des décors réels pour ensuite faire de l'édition vidéo, donc montage, un peu d'after pour l'habillage télé, etc. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment voilà, et ça t'occupe un petit peu dans la semaine, et le reste du temps tu te consacres à ta passion. Et à tes projets. Le livre de Chasseur de brume, en fait, c'est toi qui l'as mis en page. Oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait. La mise en page, les photos, les retouches, sauf le texte. Il y a très peu de texte dans le livre. Ouais. Justement pour permettre aux gens qui souhaitent le regarder ou découvrir les photos d'avoir leur propre interprétation, en fait, du sujet. Donc Je ne mets pas mes pensées sur les photos. J'essaie de garder un peu de recul, en tout cas dans le livre. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Et du coup, le texte, en fait, c'est ça. J'ai repris les articles donc de Fubiz, de Combini, d'Adobe pour l'ouverture. Et il y a eu un texte d'introduction aussi qui a été écrit par mon ancien prof de philosophie au Gobelin, Dimitri Sandler, que je salue au passage. Tu dois avoir quelque part le PDF de ton bouquin. Oui, je l'ai. Regarde, on va migrer chez toi. Ok. Hop. Voilà. C'est quoi, c'est commande L pour l'avoir en grand. Yay. Ah non, il le fait pas en double page. Bah non, si. Ah non, il s'est pas rendu compte qu'on était en double page. C'est pas très grave. Comment je peux faire? Regarde, hop. Il demandait de faire un affichage. Hop. Mode de lecture, donc on était bien en plein écran. Affichage de page. Les 2 pages. Avec une couverture ou pas de couverture sur celui-là? Oui, la couve. Ok. Et là... Ben non, je suis très déçu. On va rester en mode normal. Tant pis. Non, bah tu vois, c'est... on va le garder en mode normal parce que comme ça on pourra se balader un petit peu dedans. Donc tout à l'heure on a regardé surtout les photos, mais un peu filmé à l'arrache. Et là du coup on peut profiter un petit peu plus de toute la partie mise en page. Donc ça c'est quelque chose que tu as conçu de A à Z à partir de ton contenu, à partir de tes images. Exactement. C'est quoi le process dans ce cas là? C'est d'abord les développements, ensuite les... Alors, les images, je suppose. Au début, j'ai essayé de m'organiser du mieux que je pouvais. J'avais l'idée en fait de créer un voyage. Donc, je voulais créer un livre qui résume mon voyage dans la brume, dans le brouillard. Et donc j'ai commencé à faire des dossiers par journée de shoot, peu importe le nombre de photos que je faisais ce jour-là. Dès qu'il y avait un jour avec du brouillard ou de la brume, je créais un nouveau dossier. Ouais. Je mettais le numéro du nom, enfin, du shooting, avec le lieu. Ouais. Et je mettais toutes les photos dedans, donc photo iPhone, photo argentique scannée, etc. Enfin, voilà. Donc je me faisais tout mon répertoire comme ça. Et l'idée, c'est que je m'étais donné l'objectif d'atteindre 31 jours. D'accord. Pouvoir faire un mois. Je sais pas pourquoi, mais 31 jours. C'était pour l'idée d'avoir vécu un mois dans le brouillard, un mois plein dans le brouillard. Donc une fois que j'ai terminé de faire mes 31 dossiers, j'ai commencé à sélectionner donc les meilleures photos par shooting, par journée de shooting, et donc à les mettre en vrac après dans un seul dossier où là j'ai un peu joué au frisbee avec les photos du début à la fin du livre, quoi. D'accord. Et mais le fait de travailler sur ça, sur du dossier, t'étais juste dans Bridge tranquillement à trier, ou c'était dans Lightroom déjà à cette époque-là? Ah non, pas du tout. Non, dans mon disque dur, ouais, comme ça. D'accord, ouais, directement à la main. Directement à la main. Ouais. Après, une fois que j'avais mes séries avec les meilleurs, on va dire les best-of par jour, j'allais chez Camera pour faire développer mes photos, et j'ai créé un album, un vrai album photo old school avec toutes les petites pochettes, etc., où j'ai glissé mes photos, et je me suis retrouvé à avoir pas loin de 300 et 400 photos. Ouais. De développer, ranger dans un album où là je mettais des post-it sur les meilleures photos, mes trophées de chasse, que j'ai donc ressorti et que j'ai mis dans les links de la maquette InDesign. Carrément. Et du coup, ouais, tu parles de trophées de chasse, ça me fait penser à ce qu'on se disait tout à l'heure. Je me dis qu'en termes d'inspiration, il y avait un mec qui t'avait bien inspiré. Ouais. Ouais. Hop. Un artiste. Hop. Le mot est grand. Samuel Cueto. Samuel Cueto, Ultimate Shooting, et qui lui bosse qu'en argentique pour le coup. C'est ça. Il travaille qu'au film. Fait, ce photographe, un jour il est venu me parler sur Facebook, on se connaissait à peine, et, et il m'a démarché d'une manière assez improbable. Il m'a demandé, déjà il s'est présenté et tout, et il m'a dit j'aime bien tes images. Donc de là, je lui ai répondu, ok, merci, ça fait plaisir et tout, mais il m'a dit, c'est dommage que tu fais pas des photos. Ah ouais. Donc là, je me suis retrouvé vachement bloqué. Je me suis dit, où il veut en venir? Je comprends pas trop sa démarche. Qu'est-ce que c'est que ça? Il adore ce que je fais, mais en même temps, il est en train de me faire comprendre que je fais pas de la photo. Et d'ailleurs, il m'a dit, non, mais enfin voilà, y a pas de problème et tout. Juste, je t'explique. Pour moi, mon point de vue, c'est que le numérique, tu produis des images. Donc c'est pixelisé, c'est du pixel, et à l'argentique tu fabriques de la photo, il y a de la matière, il y a du grain. Et moi, avec mon expérience un peu légère sur le sujet, je lui dis bah ok, mais j'arrive à mettre du bruit dans mes images, et ça fait du bruit, enfin j'ai un grain comme si c'était de la photo argentique et tout. Il m'a dit ah non, pas du tout, alors là, fais le test, achète-toi un appareil argentique, prends des pellicules et puis commence à essayer de te faire développer ton travail et tout, et tu verras la différence. Et il m'a envoyé des exemples avec des photos qu'il faisait, notamment sa série en Thaïlande. Et là, j'ai vu la différence entre l'argentique et le numérique. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc. Il y a un problème. Je peux pas essayer de devenir photographe en utilisant uniquement des réflexes numériques, dernier cri tous les ans, essayer de changer de boîtier, machin et compagnie. Il faut que je revienne à la base en fait, que j'apprenne à mitrailler moi déjà, parce qu'il y avait un problème aussi avant que Samuel me parle de l'argentique. J'avais comme tout photographe débutant cette phobie de perdre la photo. Donc j'avais tendance à shooter en mode rafale, etc., pour avoir vraiment les moments les plus forts, et trier entre 30 photos pour en avoir qu'une seule au final. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc j'ai acheté mon premier appareil argentique, un Nikon. L'avantage de Nikon, c'est que les objectifs qu'on utilise en argentique et en numérique sont interchangeables. Les bagues n'ont pas changé depuis l'époque où ils faisaient de l'argentique. On n'a pas besoin de bagues intermédiaires. Du coup, tu perds pas en lumière, en définition. C'est ça. Et c'est beaucoup plus pratique. Enfin, j'ai un sac à dos, j'ai un parc optique assez large. que je peux utiliser autant en argentique qu'en numérique, c'est juste génial. Enfin, donc j'apprécie beaucoup Nikon pour ça. Et donc voilà, du coup j'ai acheté mon premier réflexe argentique. Et de là, je me suis lancé dans Chasseur de brume, j'ai commencé à faire quelques photos en argentique, quelques photos en numérique, mixer un peu les techniques. Et l'argentique m'a beaucoup apporté. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Parce que j'ai beaucoup apporté, mais beaucoup pris au fil. Ouais, c'est ça. Mais en termes de cadrage, d'analyse, aujourd'hui, quand je vois une photo, je sais que je peux prendre une photo à l'iPhone et que la photo sera réussie. Parce que j'ai appris à analyser, à regarder différemment. Ouais, regarde, fabriquer ta photo et la composer avant de la tirer. Avant de la faire, et pas te laisser porter par le côté, bah tiens. Au pire, dans le tas, il y en aura bien une utilisable. Je suis sorti de ça, du coup. Enfin, je pense. Je pense donc, en être sorti un peu, quand même. Donc Samuel Cueto, merci pour le... Et pour finir l'anecdote avec Samuel Cueto, quand il a vu que je sortais mon livre, il m'a dit... ouais, c'est super ton projet dans la brume et tout. Il m'a dit, mais rassure-moi, tes photos, tout est pris à l'argentique. Et là, dans ma tête, je me suis dit yes. Je l'ai eu parce qu'il a vraiment cru que c'était. Il y avait beaucoup de photos argentiques alors qu'il n'y en a que deux sur toute la série. Notamment, enfin, il y en a une sur la couve et puis une en double page à l'intérieur du livre. Sinon, tout le reste, c'est que du numérique. C'est que du numérique. Donc, ça veut dire que dans ma retouche, j'ai réussi à aller chercher ce qui me plaisait dans ses photos à lui en argentique et qui m'a poussé à faire de l'argentique. Et à transformer mon numérique en pseudo argentique. C'est ça, et en fait, ouais, ça a suffi, lui. Et alors, tu lui as dit, tu lui as dit la vérité? Oui, bah oui, je lui ai dit, mais il était déçu. Hein, il était déçu. Super déçu, depuis, il te parle plus. Si, il me parle. Encore heureux. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup, Samuel, pour les conseils. Ça a débloqué un chakra. Bien, ça, c'est une bonne chose. Bah écoute, ouais, on est repassé sur ton écran. On fait. Qu'est-ce que tu nous. Qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui? Alors, bah, je vais montrer une petite vidéo rapide. Vas-y. Pour expliquer un peu la différence entre la brume et le brouillard. Yeah. Parce que je ne savais pas faire la différence avant. Et donc, on peut voir dans cette vidéo-là. Sur la droite, un nuage qui vient squatter la hauteur des arbres au lieu de se retrouver dans le ciel comme ses camarades. Et là c'est pareil, ils sont tous à ras le sol en fait sur les champs. Et la brume, elle est très volatile. On peut la retrouver vraiment le matin, très tôt, avant que les premiers rayons de soleil apparaissent. Donc là on voit, bah, par exemple c'est exactement le même plan, hein. En couleur et en noir et blanc on voit la différence. Il y a une autre atmosphère qui se dégage en couleur, mais uniquement à certaines heures en fait. C'est pas un jour de brouillard où il fait gris en couleur, le rendu il est pas, je le trouve pas phénoménal. Mais par contre c'est vrai qu'au lever du soleil, au coucher du soleil il se passe des choses intéressantes dans le ciel, avec les différences de température. Et donc la base moléculaire de la brume et du brouillard, en fait, elles sont identiques aux nuages. Donc quand je me promenais, moi, au milieu de la brume, en marchant dans le brouillard, j'avais vraiment l'impression de me promener, ben, c'était un peu comme si je me promenais dans le ciel. Et ce côté un peu, c'était un peu magique, métaphorique du sujet, c'était, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment emballé. Et le fait de me promener seul, en pleine campagne, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire déjà avant, en vélo, à pied, ou voilà, je suis quelqu'un qui aime bien se promener seul en forêt. Et donc voilà, donc là après là c'est un montage que j'ai fait avec toutes les vidéos que j'ai eues en 4 ans dans la brume. Par contre t'as sorti des vieilles VHS. Ouais, bon, ça c'est le vieil effet VHS qui fonctionne avec la musique que j'ai coupée. ouais. Mais c'est vrai que quand on met de la musique sur les vidéos, on n'est pas toujours très à l'aise de savoir si oui, si non, les droits, les machins. Et du coup, j'ai dit, on va la regarder, on va causer dessus. Donc ouais, c'est du coup, ça, cette vidéo-là, elle est disponible sur ton Vimeo à toi? Oui, je pense. Il faut y aller chercher ça, parce que je crois que je sais plus s'il y avait le lien sur ton Behance. Oui, il y a le lien sur ton Behance. Alors est-ce que c'est le lien vers le bon Vimeo? Parce que j'ai deux Vimeo. Déjà t'en as un qui n'existe pas, Yannick Cordemy avec un espace, ça marche pas. Sans espace. Sans Y. Pixel. Attends, on va aller chercher directement là. Hein. Là, je mets juste stop sur ce passage-là que je trouve intéressant. On voit bien le phénomène se former en fait. Là, donc là, j'étais dans le Périgord, dans les hauteurs de Sénac, à Dôme. Tout simplement, j'étais à Dôme, c'est ça. Et on voit le nuage en fait se former en contrebas. J'ai filmé... vraiment, ouais, c'est pas du tout le même fonctionnement, quoi. Ouais, donc là c'est vraiment la, enfin c'est même pas, je sais même pas si on peut parler de brume vraiment. Non. Ça fait vraiment une formation de nuages en basse altitude. Et du coup cette vidéo là, on la trouve sur lequel, sur le Yannick ou sur le Pixel? C'est là, je crois que tu y étais. Il y avait soit ça, soit ça. Soit Yannick Cordemy. Je pense que c'est sur celui-là, sur Yannick Cordemy, pas Pixel. Ok, donc ça je vais le partager, je vais vous partager le lien et ce sera dans une des photos, dans une des vidéos de Chasseur de brume. C'est ça. Ou t'as encore un autre compte? Non. C'est pas comme les Insta, tu cumules pas les Vimeo un petit peu quand même. Non, en fait c'est un problème de mail. Il y a un compte, mon premier compte Vimeo, je l'ai créé sur une boîte mail que j'utilise plus trop. Du coup, celui qui est voué à évoluer, c'est celui-là. Ok, c'est parti. Comme ça, vous pourrez retrouver un petit peu d'autres vidéos. Et du coup, tout ça, pareil, c'est toi qui tourne. C'est moi qui tourne, à part les vidéos, les plans au drone. C'est un ami à moi qui a monté sa société de droniste. Et, il réalise des tournages dans toute la France. Et dès qu'il est sur des tournages en extérieur où il y a de la brume, du brouillard, il pense à moi. Donc, je fais un gros bisou à Briac. Très bien. Voilà, qui m'a pas mal accompagné sur ce projet, surtout en vidéo. Et voilà, donc il nous reste encore pas mal de plans à faire et tout. Ça peut être cool sur le long terme de pouvoir remonter là-dessus. Ouais, carrément. De filmer la brume vue du ciel. Filmer les nuages. Faut réussir à filmer suffisamment haut quand même pour. C'est ça. Bah ou pas en fait, parce que là le matin par exemple, là, la brume quand elle est vraiment très basse, avec le drone on a un rendu qui est vachement esthétique en fait, il n'y a que la pointe des arbres qui ressortent, ou les pointes des arbres, mais à voir, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de le faire. D'accord. Ok. Hop, la brume de mer est pas mal non plus, nous dit Alexandre, qui doit habiter plus près de la côte. La brume de mer, vers la Bretagne peut-être. On m'a déjà proposé d'aller shooter par là. D'aller shooter vers la Bretagne, apparemment en mer, il y a pas mal de décors brumeux. Mais t'as pas... J'ai pas encore été, mais j'ai encore plein de choses à faire. C'est le début. C'est ça, ce sera le deuxième bouquin, troisième bouquin, quatrième bouquin. C'est ça, bah, j'ai prévu d'en faire 3 pour réussir à atteindre le vrai livre que j'ai commencé à faire en maquette 3D sur le mock-up. D'accord. Et donc avec une couverture rigide et puis entre 300 et 400 pages intérieures. Et pour ça il me faut 3 tomes comme celui-là. D'accord, bon bah, c'est parti. Donc c'est réalisable je pense. Et donc j'ai encore plein d'endroits à découvrir. On m'a parlé de Dijon aussi, d'aller faire la photo vers Dijon. Apparemment il y a pas mal de décors brumeux. Mais après tu peux remonter, là Alexandre nous dit d'aller plus haut vers le nord. Ouais. Je sais qu'il est vers Amiens, Nibas, tout ça. Ouais, Lille c'est pas mal, mais tu peux aller dans... Ouais, si tu remontes jusque là, tu vas dans l'Odomarois, Saint-Omer, machin, tu vas avoir des espèces de marées bizarres et d'espaces sur lesquels ils pèlent. À 2 heures de Paris, voilà. Top. Je viendrai vous faire le coucou, avec plaisir. C'est ça. De toute façon, l'idée là, c'est vraiment de voyager un peu plus, hein, parce que le premier livre, 80% des photos qui s'y trouvent sont shootées dans le 77. D'accord. Donc 20 à 30 km autour de Melun, donc je suis pas parti bien loin. J'ai réussi à trouver des spots quand même assez différents, assez esthétiques. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de pouvoir prendre ma voiture, partir une semaine quelque part et de découvrir plein d'endroits magiques en France. Photographier la France en noir et blanc, ça me plairait beaucoup. Donc voilà, on a commencé avec Annecy, donc c'était pas prévu du tout. T'as encore des... Est-ce que t'as des images un peu brutes pour nous montrer un peu comment tu développes, comment t'organises tout ça? Oui, bien sûr. Ça va être un peu, je pense, une... Ou tu veux poursuivre dans les vidéos d'abord? Oh non, non, pas du tout. Bon, après, je peux faire le pont entre chaque... Donc j'avais commencé à mettre des photos de côté. Je vais vous montrer comment je procède. On va prendre cette photo-là, parce qu'elle a beaucoup plu aux expos. Si j'arrive à l'ouvrir... Alors il y a Romain qui te propose de venir vers Caen pour le bon spot de brume. Aïe, on ira ensemble Romain. ça s'organise ça. Je suis sûr qu'il y a des tas d'endroits où il y a de la brume le matin, faut juste bien tomber. Ah oui, c'est sûr. Il faut être présent au moment, par exemple Paris, la tour Eiffel masquée par le brouillard, je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Sérieux? Non. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas assez de trains en ce moment. Mais ça va venir, tu arriveras à arriver suffisamment tôt pour voir. J'attends ma série parisienne dans la brume, j'ai aucune photo de Paris dans la brume, enfin dans le brouillard en tout cas. Ah ouais, ouais. Bah, écoute, j'ai pas l'occasion. Va falloir. Hein. Souvent j'ai des amis sur Paris qui m'envoient des snaps, des photos sur Instagram, etc. pour me dire « Oh là là, faudrait que tu sois là, essaie de venir sur Paris si tu peux. Mm-hmm. » Et les jours où le brouillard est présent sur Paris, je peux pas... Enfin, je suis pas disponible du coup. J'ai pas encore eu l'occasion, mais ça va arriver. On va avoir une session complètement découvrir les coins de province sur lesquels vous pouvez aller shooter. Oui. Je pense que ça va être bien, on va envoyer plein de photographes partout. Et on va regarder ce qui ressort de ça. S'il y a plus de brouillard ou pas. Plus de brouillard que de brume. Ouais, c'est ça. Alors vas-y, du coup, là, t'es dans Camera Raw. Donc quand tu ouvres tes nefs, ils se lancent directement dessus. Oui. Et pour l'instant c'est vraiment un brut brut. Il n'y a pas d'XML. Là, la photo est brute. Ouais. Donc on peut voir qu'elle n'est pas très droite. Mm-hmm. Elle est monotone. Donc c'est un jour de mauvais temps classique que tout le monde a l'habitude de voir quand il y a du brouillard. Ça donne pas envie de sortir. C'est ça. Mais à l'inverse, moi, ça me motive à sortir. Donc, je traîne beaucoup dehors quand il fait moche. Donc, sur cette photo-là, en fait, on peut voir la crue de la Seine en 2016. C'était en juin 2016, où l'eau est montée donc jusqu'aux maisons. Hein. Et là, c'est le monsieur qu'on peut voir en train de marcher dans l'eau, c'est le garde-pêche, qui faisait son tour le matin pour vérifier que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas trop de dégâts corporels, etc. Tu m'étonnes. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir des bottes ce jour-là, parce que je ne porte jamais de bottes. On n'est pas obligé à Melun? Non. Non, on n'est pas obligé de porter des bottes à Melun, même si c'est fortement conseillé, pour pas avoir les chaussures sales. Non, je plaisante. Non, mais pareil, hein, parce qu'en parallèle, il y a Christophe qui dit tiens, tu peux venir pour Paris pour voir un bon pic de pollution. Ah ouais. Alors pas confondre la brume et le pic de pollution, c'est pas facile à distinguer. Distinguer, ouais, parce que c'est assez technique la pollution quand même. Mais j'avoue qu'on peut avoir aussi des beaux rendus hein, avec la pollution. On sait pas Jojo, mais. C'est ça. Et aujourd'hui, ouais, c'est mort. Hein. C'est soleil dehors. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le garde à l'intérieur dans une pièce fermée pour la journée, parce qu'il préfère la brume. C'est ça. Alors du coup, ouais, c'est quoi ton ordre de travail à l'intérieur de Camera Raw? Alors d'abord, ce que je fais, c'est que je balance la photo en faux noir et blanc. Voilà, en supprimant la vibrance et la saturation. Ouais. Ensuite, j'essaye de rallumer un petit peu la luminosité, en faisant attention de ne pas faire disparaître la lignée, la rangée d'arbres qu'il y a derrière en fait. Il faut qu'on arrive à distinguer le blanc du ciel, ouais, qui est complètement gris, avec la matière qui laisse apparaître calque par calque, par opacité en fait. Ça fait vraiment un voile opaque. Et en essayant plusieurs styles de retouches différentes, des fois je me suis rendu compte que je supprimais la beauté de la brume, ouais, ou à l'inverse, ben, je l'étouffais complètement, je la masquais. Alors du coup, t'es pas très partisan du filtre correction du voile? Pas à l'intérieur de Photoshop, enfin de Camera Raw. Pas du tout. Ouais, on va virer la brume directement, de manière radicale. D'accord. T'as jamais testé ce truc? Non, du tout. Ah, mais c'est... Alors, pour le coup, je triche. Parce que j'étais en train de regarder, tu vois, j'avais la tête un peu penchée pour voir sur ton écran. Là, t'es sur Camera Raw, la version 10.2. Et sur la version 10.3, ils ont rajouté ce truc. Hop, on va switcher un tout petit peu en parallèle. Je reviens, j'aime bien vous montrer des tas de petites choses rigolotes. Ils ont rajouté un truc qui s'appelle correction du voile. Alors sur les versions précédentes, il était rangé dans les... Je sais plus, je crois que c'était dans les effets. Tu devais l'avoir dans les effets. Tout en haut, ouais. Tout en haut, t'avais correction du voile. Et ce truc-là, en fait, il permet de faire une espèce de mix de contraste, de gestion justement des zones un petit peu blanches dans l'image, etc. Et ils se sont rendus compte avec le temps qu'il y avait énormément de photographes qui l'utilisaient dès le démarrage de leurs photos. Et du coup, plutôt que d'aller le planquer là-bas au fond, ils ont rajouté cette correction de voile, tu vois, qui me permet de virer un peu cet effet, l'effet un peu sfumato de certaines images, genre la distance et l'épaisseur de l'atmosphère. Donc très clairement, pour toi, c'est un peu ouais, c'est très utile. L'antithèse de ton boulot, vu que tu travailles que sur la brume et le brouillard. C'est vrai. Allez, tiens, on retourne chez toi. Bah, merci pour le conseil. En tout cas, je vais expérimenter. Bah, déjà, je viens de l'expérimenter. J'ai gagné un temps fou sur la retouche. Donc ouais, il y a Alex qui confirme bien que c'était dans les effets avant. Donc ouais, donc tu démarres donc plus de vibrance, plus de saturation, un peu plus d'expo, un travail de contraste dessus. Ouais. Et ensuite, bah, j'ouvre mon image dans Photoshop. Et c'est là que tu vas faire tout ton gros nettoyage. C'est ça. Et pour le coup, tu l'ouvres en tant que tel. Tu gardes pas en objet dynamique et tout. T'as ton développement. Non, je l'ouvre, ouais, non, bien sûr. Ok. Je l'ouvre comme ça. Du coup, donc je déverrouille mon calque. Parce que je vais être amené à la dupliquer pour accentuer du coup de la matière. Ouais, d'accord. Donc déjà, gros chantier. Dès que j'ouvre ma photo dans Photoshop, j'ai toujours des surprises. Parce que j'ai rarement les capteurs propres. Donc tous les spots qu'on peut retrouver sur les photos en noir et blanc, je vais venir les supprimer à coup d'outils pièces ou de tampons. Donc j'essaie de faire ça localisé. Ouais. Et alors question, là on est en déplacement, on est ici, tu travailles au trackpad aussi chez toi ou t'es en... J'ai l'habitude de travailler dans le train, donc 2 heures de transport. Je gagne un temps fou sur mes projets dans le train. Et du coup, le trackpad, je suis assez à l'aise quand même. Mais je préfère quand même la souris. Ou la palette graphique quand je bosse dans mon bureau sur l'iMac. Parce que sur le MacBook Pro, j'aime pas trop utiliser la palette. Donc voilà, donc du coup, donc là je fais grossièrement. Donc je nettoie mes spots. Après, pour cette photo-là, dans le bouquin, j'ai décidé de supprimer la ligne. Parce que je trouve qu'elle perturbe la lecture de la photo, le câble électrique. Donc je l'ai complètement supprimé. Donc dans les expositions, on me demandait si je retouchais mes photos, donc j'expliquais très peu, mais par moment, voilà. Par moment, il faut y aller, savoir trancher, il faut pas avoir peur de supprimer quelque chose qui était présent au risque de d'épurer un peu plus la photo. Donc ce type de retouche-là, je peux le faire. Je m'autorise en tout cas. Ouais, tu te laisses le droit de retoucher tes propres photos quand même. C'est généreux quoi. Oui, bah, sachant que j'ai envie d'avoir un rendu un peu argentique. Ouais, enfin, en fait, t'as toujours le défi de Samuel derrière. C'est ça, qui reste. Il y a Samuel qui me dit ah, tricheur. Et du coup, donc j'essaye quand même d'avoir une photo qui ressemble le plus possible à la réalité et à quelque chose que j'aurais pu photographier en argentique. Donc, c'est-à-dire sans supprimer des éléments, des machins. Et donc voilà. Et du coup, donc j'ai enlevé le câble. On est d'accord que la photo est quand même beaucoup plus jolie sans le câble. Mais ça, il n'y a pas photo. Et ensuite, bah voilà, j'essaie d'équilibrer les lignes, notamment la ligne d'horizon qui est là-bas. Donc la photo, en fait, elle est droite, celle-là. Donc comment j'ai triché? Comment t'as triché? Est-ce que tu l'avais déjà retravaillé en amont ou pas encore? Non, là, elle était brute. Là, elle est brute d'appareil. Alors il y a Alexandre qui demande si tu utilises le contenu pris en compte. Bah ouais, vu que tu es sur l'outil pièce, carrément. Contenu pris en compte pour toute la retouche. Pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord. Tu le prends en tant que tel. Ouais, ok. On a encore plein de jouets à l'intérieur. Ah, j'imagine, oui, Photoshop. À l'intérieur de Photoshop, même à l'intérieur de Camera Raw, où ils ont travaillé. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément bien l'univers, on a d'abord le moteur de développement Camera Raw, qui est apparu dans Photoshop il y a un peu plus de 12 ans maintenant. Et par la suite, en fait, on a monté dessus Lightroom pour un flux juste pour les photographes. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenant sorti un truc qui s'appelle Lightroom CC, qui est vraiment basé pour les photographes qui en ont marre de penser à l'endroit où ils ont posé leur sauvegarde. Ah oui. Et du coup, l'idée, c'est d'abord de synchroniser sur le cloud. Donc tu travailles, tu décharges sur ton ordi, tu travailles en local, il n'y a pas de souci. Mais dès que ton ordi voit qu'il est connecté, pouf, il synchronise les images et tu n'as plus à te demander si tu les as sauvées ou pas. C'est plutôt assez intéressant. Donc Stéphane confirme que c'est aussi pour le mode, pour le remplissage, le contenu pris en compte, mais on essaiera de se retrouver un peu des images tout à l'heure. Donc là, ouais, j'ai vu que tu avais commencé à dupliquer des calques. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors du coup, donc ça c'est une technique que j'ai trouvée sur un tuto sur internet, que je trouve super intéressante en fait. Dès que j'ai des photos où je veux faire sortir un peu de la matière, j'applique ce process. Ouais. Donc, je duplique 3 fois mon image. Ouais. Je crée un groupe dans lequel je viens mettre donc 2 photos. La première photo, donc celle qui est au premier plan, je lui applique un filtre de surface D'accord. Léger. Je la bascule en négatif. Ensuite, je passe cette image en appliquant un mode de fusion lumière vive. Ok. Et la photo d'en dessous en incrustation, c'est assez technique, mais le rendu est pas mal. Et ensuite, je ferme mon groupe et le groupe complet, je le passe en incrustation. D'accord. Donc là, on peut voir que la photo a un effet HDR surpuissant, un peu sale. Enfin, il y a un côté un peu dérangeant, c'est un peu violent. Ça vibre un peu, c'est assez violent. Donc ce que je fais pour atténuer, c'est que je diminue donc l'opacité de ce groupe, généralement entre 30 et 50%. Et ensuite, je viens masquer les éléments que j'ai pas envie en fait d'accentuer. D'accord. Ouais, parce que là, du coup, ça t'a permis de retrouver du relief sur l'image, du relief on le voit sur la flotte, sur les feuilles un petit peu, que tu n'avais pas forcément tout à l'heure. Et Samuel Cueto, on a du grain. C'est ça, en fait, il y a du grain. On a du grain numérique. Il y a le dématrissage de ton capteur qui est bien présent quand même. C'est bien. Ça. Et voilà, et donc sur cette photo, après, bon, je peux appliquer un masque, hein, un masque de fusion sur le groupe complet, pour venir justement masquer tous les éléments que j'ai pas envie d'accentuer. Ouais, des éléments qui peuvent rester, enfin qui ont moins d'importance dans ton photo, dans ton process. Ça. Du coup, on voit que l'eau, le champ de blé inondé et. Bah, tu vois, Panda fait exactement la même chose que toi pour faire ressortir les détails. Super. Donc, comme quoi, vous avez été plusieurs à regarder ce tuto. Mais ce tuto, il était magique. Franchement, c'était sur une photo de Paris, avec beaucoup de briques, la Seine, etc. Et l'auteur, je ne me souviens plus du nom, nous dévoile donc son astuce. Et le rendu était impressionnant sur sa photo. Après, ça marche pas sur toutes les photos. Par exemple, sur des photos de portrait, il n'y a aucun intérêt à le faire. Photos de paysage, photos de ville, de rue, ça fonctionne très bien. Ouais. Il faut savoir le doser quand même, parce que ça m'est déjà arrivé de constater que ça fonctionnait pas toujours. Carrément. Et de toute façon, ouais, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup, parce que je sais que là par exemple j'étais au club Photoshop et Lightroom User Group, et on rencontre plein de photographes différents qui ont des besoins différents, parce qu'il n'y a pas, tu vois, toi tu pars à l'aube chasser la brume, là on avait des photographes de plongée, on avait des photographes de portrait, etc. Et ils avaient tous un outil commun autour de Photoshop, mais derrière, enfin de Photoshop, de Lightroom, selon leur flux, selon leurs habitudes, et derrière chacun avait ses astuces, ses besoins spécifiques sur tel ou tel sujet. Donc tu vois, bah oui, là par exemple il y a Stéphane qui dit: tu n'utilises jamais le passe-haut? Alors non. La fameuse séparation de fréquences, c'est jamais, pas jamais, si c'est déjà arrivé, mais pour cette série là non. Honnêtement, les photos, je les ai vraiment travaillées entre 5 et 10 minutes chacune, quoi. Ouais, histoire de leur donner une cohérence. Ouais, c'est ça. Voilà. Être capable de faire ressortir ce qui, toi, t'intéressait dedans. C'est ça. Et en plus, comme tu disais, c'était à peu près dans ce moment-là où tu as commencé à travailler le cadrage et la photo plutôt que l'image. Oui. Donc, c'est ça. Tout le travail en fait, photographique, pour moi, de mon point de vue, a été fait en amont. Là, je reprends encore un exemple. Sur cette photo là, c'est donc la route qui mène au château de Vaux-le-Vicomte. Il y avait un brouillard super épais ce jour. Ce jour là, c'était impressionnant, et on peut voir les couleurs, hein. De toute façon, le côté gauche qui est un peu bleuté et le côté droit où la lumière arrive un peu plus blanc, il y a une atmosphère déjà en couleur qui se dégage. J'ai hésité à la travailler en couleur, cette photo, parce que je trouvais vraiment qu'il y avait un jeu, un jeu à créer en fait, une atmosphère à créer, et c'est vraiment naturel, hein, j'ai rien fait. Il y a vraiment un côté plus bleu que l'autre, et non, au final. au final, pour l'instant, t'as choisi la sécurité. Je me calme et je reste sur ma ligne, mon fil conducteur qui était donc le noir et blanc au début du projet. Mais d'où l'idée de te faire peut-être une version, une V2 avec... Ouais, c'est ça, j'y pense. Après, je sais pas si ça fonctionnera, parce que sur cette photo-là, ça marche, mais sur les autres photos du livre, il y en a où le temps était vraiment pas beau, la lumière était un peu nulle. En couleur, je suis pas sûr que le rendu sera top sur toutes les photos. Donc pourquoi pas faire un autre numéro en couleur avec certaines photos du coup qui fonctionnent, et je reprendrai en couleur. Et anticiper des tirages par rapport à ça. Où là, du coup, je ferai quasiment à 80% que de la brume. Parce que la brume, elle est provoquée par les jours, enfin le soir quand le ciel est dégagé, qu'on peut voir la lune, les étoiles, etc. Donc ça veut dire que la chaleur terrestre elle est complètement dispersée, il fait super froid. Et le lendemain matin, quand le soleil se lève, les premiers rayons viennent réveiller toute l'humidité en fait qui a été créée la nuit. D'accord. Et ça crée des nuages au sol. Et donc là, si je veux avoir des choses intéressantes en couleur, il faut que je me lève très tôt, dans deux périodes spécifiques de l'année, donc c'est-à-dire la transition entre l'été et l'hiver. Et à l'inverse, la transition entre l'hiver et l'été. Donc là, on est en plein dedans. En ce moment, il y en a beaucoup le matin quand je prends la route pour aller travailler. Et du coup, tu as recommencé des sessions sur les week-ends Alors pour l'instant, non. Là, je suis pris par le livre. Il faut que j'arrive à livrer dans les temps toutes les personnes qui l'ont commandé. Après, je pense que les personnes qui l'ont commandé sont intéressées sur le sujet et tout. Oui, et bien sûr. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas spécialement le temps de faire de la photo. J'ai trop de projets à chaud. Ouais, on a pas mal suivi en fait des gens ici qui avaient des projets Ulule, Kickstarter ou autres, qui avaient justement cette deadline. C'est important. Moi j'ai pas l'habitude d'avoir des deadlines vachement serrées et imposées, enfin surtout sur mes propres projets. C'est des projets que j'arrive à traîner sur 4 ans par exemple. Et le fait d'avoir créé le projet sur Ulule, ça m'a boosté à créer ma com, donc faire des vidéos pour montrer un peu ma démarche, mon voyage dans le brouillard, donc faire des vidéos où je raconte un peu ma traversée dans la brume, et à communiquer pendant un mois pour réussir à atteindre 150 précommandes. C'était un défi qui était un peu fou. Donc, mais qui te permet d'assurer en fait la sortie du livre, la parution du premier tome. Exactement. Et puis je suppose pour la suite, pouvoir pérenniser un petit peu ça et remontrer un petit peu le reste pouvoir faire le 2, le 3, puis te faire plaisir un petit peu, je pense, sur ça. C'est ça. D'ailleurs, il y aura d'autres expos qui seront sont prévues. Pour l'instant, j'en ai pas encore de prévues. Il y en a peut-être une à Melun qui se dessinerait pour le mois de juin, mais rien de sûr. Donc, on est en train de voir. Et une autre dans ma ville aussi. D'accord. Et pareil, c'est en cours de... Ouais, c'est tranquillement, peut-être pour célébrer la sortie. C'est ça. Et après, j'en ferai une où là, pour le coup, ce serait moi qui organiserais sur Paris. Quand, où, comment, je ne sais pas encore. Une chose à la fois. Ouais, c'est ça. Donc peut-être l'année prochaine, je verrai. Ok, donc ouais, là pareil, process de choix, la saturation, la vibrance. C'est ça, à peu près le même. Du coup, après, il y a la clarté aussi qu'on peut utiliser directement dans Camera Raw ou Lightroom. Mais je trouve que le réglage, il n'est pas assez précis. Pour faire ressortir les détails. Il fonctionne de manière grossière pour accentuer tous les éléments de la photo. Mais par rapport à ce que... Parce que tu vas pouvoir ressortir derrière sur Photoshop. Il y a une différence qui n'est pas comparable. Oui, et puis surtout, tu vas pouvoir gérer ça de manière plus localisée et de manière un petit peu plus directe aussi là-dessus. Voilà. Et alors, est-ce que ça t'arrive de revenir sur des photos que tu as prises il y a 4, 5, 6 ans et te dire, tiens, je ferais bien un développement complètement à l'opposé de ce que j'avais fait à l'époque? Bonne question. Parce que tu as peut-être déjà dû avoir le cas, vu que tu disais que la série s'étalait sur 4 ans, de retrouver des trucs et de te dire, tiens, est-ce que celle-là, je la remets en cohérence? Est-ce qu'elle est bien comme ça? Elle a déjà été publiée? J'ai poussé le concept un peu plus loin que ça. J'aimerais, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer, de photographier le même spot, le même arbre, je ne sais pas encore quoi, mais la même chose, avec les mêmes conditions météorologiques, sur le plus grand nombre d'années que je pourrais le faire. D'accord. Et là, je pense qu'après, en vidéo, je vais pouvoir faire quelque chose de sympa. Par exemple, cette photo, avec les arbres, en fonction du rythme des saisons, il se dégage une atmosphère complètement différente. Ouais, bien sûr, et si je fais la même série de photos à toutes les saisons pendant 10 ans, et que je fais une sorte de time-lapse sur ce qui se passe, mais qu'avec toujours le même décor, un brouillard épais, là on parle pas de brume, sur cette photo c'est vraiment du brouillard, je pense que je pourrais peut-être avoir une série de photos intéressantes qui pour le coup fonctionnerait en vidéo ou autrement. c'était l'idée, d'exploiter plus les spots, de réexploiter les spots avec d'autres techniques et d'autres méthodes. Plutôt que de reprendre une photo que j'ai déjà produite et essayer de la détourner dans une retouche différente, etc. C'est pas... non, ça m'a jamais traversé l'esprit. D'accord. D'accord, d'accord. Tiens, il y a Alexandre qui pose une question intéressante. Il dit, est-ce que chaque brume, chaque brouillard se traite à l'identique sur toutes les photos, avec peut-être l'établissement d'un profil pour pouvoir dégrossir? Et là, alors, oui, j'aurais envie de dire oui, mais par série. C'est-à-dire que cette photo-là, par exemple, la route avec les arbres qui mène au château de Fontainebleau, j'ai pris plusieurs photos ce jour-là. Donc là, créer un filtre avec un profil, pour traiter ce jour de shooting, ça fonctionnerait. Par contre, créer un profil ou un traitement de retouche pour l'ensemble de mes photos, dans le brouillard, non, ça marchera pas. Parce que la lumière, elle est pas pareille partout. Et sachant qu'aussi, il y a une série, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a une série qu'on a travaillée avec mes potes, de nuit, voilà, par exemple. Donc on expérimentait la puissance des lampes torches avec un temps de pause ralenti. Et du coup on a l'impression d'avoir des phares dans les mains, quoi. Et je peux pas avoir un réglage en fait prédéfini qui va fonctionner sur la photo en plein jour, en pleine campagne, que je peux pas la réutiliser pour une autre photo. D'accord, ouais, effectivement, d'être capable d'isoler en fait un certain nombre de critères et que ces critères soient valides et soient utilisables plusieurs fois, quoi. Ça doit être parce que la lumière, elle se diffuse vraiment différemment en fonction de l'humidité dans le brouillard. Donc quand il y a un brouillard beaucoup plus dense, on voit tout de suite les points lumineux qui explosent et qui rajoutent justement une atmosphère, une ambiance qu'on ne retrouve pas sur d'autres photos où la lumière est moins terrible. Alors du coup, ouais, c'est vraiment du cas par cas. Mais justement, ouais, sur cette histoire de cas par cas, dans un autre genre, je vais faire un tout petit crochet, ici au cas où pour les gens qui sont parfois un peu sur Lightroom aussi. Alors évidemment, là, il y a de la couleur, etc. Sur les dernières versions, à la fois de Camera Raw, à la fois de Lightroom CC, ils ont rajouté en fait, justement, je pense que c'est pour ça que Alexandre pose la question. Ils ont rajouté la notion de profil. Et par défaut, en fait, maintenant, quand tu vas développer ta photo, juste avant la gestion de lumière, des effets, etc., tu vas retrouver la notion de profil. Et par défaut, donc t'as des profils qui sont proposés. Donc tu vois, un Adobe couleur, un Adobe paysage pour pouvoir faire ressortir une partie du contenu, etc. Mais tu peux les parcourir et sur Lightroom notamment, t'as directement le rendu de chaque profil. Il y a des rendus qui sont des rendus qu'on appelle Adobe Raw, ils sont vraiment basiques et ils permettent de traiter tout ce qui est DNG, tout ce qui est format brut. Et après, selon le type d'appareil photo qui a été choisi, ben là tu vois, je suis sur le caméra matching, donc vraiment à la base du boîtier. Et ce qui sera intéressant, c'est que derrière, ils ont prévu des profils qu'on va pouvoir traiter avec du style, de la mise en forme, etc. Mais les profils qui sont proposés par défaut, qui te permettent déjà de bosser, en fait, le gros truc et le gros intérêt là-dedans, c'est que tu vas pouvoir choisir s'ils sont appliqués de manière plus ou moins forte sur la photo, et tu vas pouvoir, dès le départ, lui dire, bah tiens, ouais, je veux que sur cette image, enfin, j'applique le profil, mais je touche pas du tout à la gestion de lumière. J'ai pas touché les curseurs comme un preset justement, et comme ce genre de réglage là. Et du coup, c'est vrai que c'est une nouvelle manière en fait d'imaginer, d'envisager la photo. On le voit aussi, bah là, quand je pars sur des monochromes, il y a encore plein de profils justement de traitement monochrome. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à remettre la main sur la série des monochromes. C'est très bizarre. Sur lesquels, voilà, moi je m'étais un petit peu amusé justement à rebosser dessus. Et le truc, c'est que voilà, j'ai toujours pas développé la photo à cette étape-là, donc je peux m'amuser encore à changer et à voir ce que je vais donner comme densité à mon image, comment je vais rattraper des éléments. Et par contre, derrière, je peux quand même continuer à changer, tu vois. Je garde un petit peu la touche de contraste que j'avais rajoutée. Voilà, ça c'est une nouvelle manière en fait d'aborder les choses, et tu la retrouves à la fois dans Lightroom mais aussi dans les... Je vais partir sur ça, s'il est capable de me la charger assez rapidement. Oui, merci. Alors là pour le coup c'est un JPEG, mais c'est pas très grave, je peux aller le chercher dans le filtre Camera Raw. Et dans la gestion du filtre Camera Raw, ben pareil, tu retrouves en fait toute ta gestion des profils. Et pour une raison qui m'échappe, j'ai pas mes noirs et blancs de l'autre côté. Je sais pas où ils sont partis. Et du coup, le tout sans, voilà, vraiment sans isoler le réglage. D'accord. Ça, ça peut être un truc assez, assez intéressant. Allez, on est retourné chez toi. Okay. Est-ce que tu as un bout de fichier InDesign juste pour montrer un petit peu le, les formats de mise en page et la manière dont tu as travaillé? Tiens, on a Canel qui nous rejoint et qui trouve que c'est un travail splendide. Ah, merci beaucoup. Et Christophe aime beaucoup la route bordée. Top. Voilà. Alors, InDesign. Tac, tac, tac. Puff. Donc là, ouais, c'est tout ton gabarit de départ. C'est ça. Donc là, on voit que tu travailles pour de vrai parce que tu as plusieurs, plusieurs gabarits. Ouais, c'est ça. La version, je fais pas d'erreur. La version, je viens d'écraser 10 ans de boulot. C'est ça. Merci. Je viens d'écraser 10 ans de boulot pour le live, c'est dommage. Alors, donc du coup, pour InDesign, en fait, j'ai repris la maquette du pressbook, parce qu'avant de me lancer dans l'aventure de créer un livre, j'ai souhaité me lancer dans la création d'un pressbook, un petit format A5, pour montrer un peu justement mon voyage dans le brouillard, expliquer un peu pourquoi, comment, à quoi ça correspondait, etc. Voilà. Et donc je me dévoile un peu plus dans le pressbook que dans le livre, donc le livre est vraiment plus esthétique, très peu de texte. Et j'ai repris la maquette du pressbook qui me plaisait, au final. Et puis sur les réseaux sociaux, mon entourage à chaque fois me demandait quand est-ce qu'il est disponible, le bouquin, on veut l'acheter, je le veux. Je disais mais calmez-vous, c'est le pressbook, c'est pas le livre. J'avais l'idée en fait de faire vraiment mon livre mais différemment, de créer une nouvelle maquette pour le livre, pour vraiment dissocier les deux médias. Et au final, bah non, j'ai décliné mon pressbook en format A4. D'accord. Et ça fonctionne bien. Et puis voilà. Donc j'ai repris la maquette que j'avais déjà. On a 5 sur le A4. Et du coup, ça t'a permis de donner un petit peu plus d'air aux photos et de retravailler. Ouais, avec beaucoup plus de marge. Donc voilà, donc là j'ai repris l'article que j'ai immortalisé dans le livre quand même. C'est ça, parce qu'on sait jamais, les pages web peuvent bouger. Ouais, carrément. Et puis Sylvie, j'adorais l'interview de Sylvie. C'était vraiment un chouette moment, une belle expérience pour moi en tout cas. Et donc voilà, donc après, pour parler de la maquette, ben c'est un livre photo, hein. Donc, il y a des blocs avec des photos, j'ai créé des gabarits, voilà, pour rentrer un peu dans l'aspect technique, des gabarits avec des photos donc pleine page, enfin, sur double page avec un peu de texte, où du coup ce gabarit là je peux le dupliquer, retirer le texte et mettre que la photo, donc c'est des gabarits qui sont plus ou moins modulables entre eux. Donc des fois je reprends que la page de droite que je vais mixer avec la page de gauche d'une autre double page. Alors, est-ce que tu penses que c'est un boulot qui est à la portée du photographe ou faut quand même être très à l'aise avec InDesign pour pouvoir gérer ça? Bah, j'ai travaillé 1 an et demi dans l'édition, donc voilà, je devais créer des, enfin pas créer des maquettes, mais j'étais vraiment maquettiste. J'avais une mission d'exé où je devais mettre à jour les maquettes de plein de magazines pour des communes, pour de la communication territoriale, etc. Donc j'en ai fait plein. Ouais. Donc tu as eu le temps de te rôder sur le... J'ai eu le temps de me rôder sur InDesign. Donc pour moi, ça me paraît simple, en tant que photographe, de créer des blocs, d'apporter des photos, de faire attention que mes liens soient bien actifs, que les profils couleurs soient respectés, etc. pour l'export PDF. Mais... je pense que pour un photographe qui n'a jamais mis les pieds dans l'InDesign, c'est pas spécialement intuitif. Ouais, c'est pas forcément simple de... Je peux comprendre que ce soit pas l'outil idéal pour créer un bouquin photo. Ouais, alors après... ou en tout cas tout seul. Ouais. Après, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de jeter un œil au module livre d'InDesign, de Lightroom. Ouais. Ça te frustre? Ouais. Ah, moi, je l'aime bien. Et pourtant j'ai quelques années justement dans InDesign. Ah bon? Et c'est un... Pour moi, je trouve qu'en premier abord, pour un photographe, il était assez accessible, tu vois, sur ce type de mise en page assez simple, où finalement bah, tu organises tes pages par rapport à ta quantité de photos, mais sur des modèles qui sont déjà défini. Okay. Ça peut, voilà, je pense que dans ta maquette, la problématique qu'on va avoir sur le livre photo Lightroom, c'est surtout les premières pages et les dernières pages. Celles où tu commences à avoir vraiment des contenus, okay, des contenus un peu, des mises en page un peu techniques. C'est ça, ouais. Okay. Mais dès que tu es sur la page photo, je trouvais qu'ils s'en sortaient, plutôt pas mal en fait. D'accord. Bon, faudrait que j'essaye. C'est juste un point de vue. Je l'ai survolé rapidement, mais enfin, quand j'ai mon repère, c'est InDesign. C'est ça. Non, mais t'inquiète, hein, après. Les modules alignement, Pathfinder, style de caractère, gabarit de page. Voilà, quand j'ouvre un nouveau document sur InDesign, j'arrive facilement à m'organiser au bout d'une demi-heure et de structurer tous les outils qui vont m'aider à produire. À produire directement, ouais, parce que l'idée, c'est pas aussi de passer des plombes et des plombes dessus. Non, c'est ça, c'est d'automatiser un peu la maquette, le style graphique que je vais adopter, etc. Et InDesign, c'est parfait pour ça. C'est cool. Après, voilà, moi, c'est l'outil qui m'a emmené dans le milieu du graphisme. Ouais. Photoshop, je connaissais de nom, j'avais quelques bases, mais très légères. Illustrator, bon, le vectoriel, ça me faisait un peu peur. Ouais. J'ai mis du temps à être à l'aise avec la plume. Et alors InDesign, mes premiers cours au Gobelin, quand j'étais à Noisy-le-Grand en 2010, premier cours sur InDesign avec Christophe Guillet, super professeur, c'était spécialiste InDesign. J'ai été emballé par ses cours et puis la manière dont il nous transmettait sa passion pour l'édition aussi, je pense que ça joue beaucoup. Ouais. J'ai toujours été... fasciné par enfin, l'édition au sens large. J'étais un grand collectionneur de magazines étant plus jeune. Ouais, donc j'analysais beaucoup les maquettes et tout. Et pour ça, voilà, j'étais emballé. L'idée de pouvoir faire des livres, mes propres contenus aussi. Et alors, le moment où tu t'es mis dans InDesign, c'était avant ou après tes magazines de moto? Ah, c'était avant. Enfin, je me suis mis sur InDesign avant. Ouais. J'ai bossé dans une maison d'édition qui s'appelle Scoop Communication. Pendant 1 an et demi, j'ai commencé en stage, mais après j'ai fait 1 an d'alternance chez eux, je crois. Alors oui, pour le coup, j'ai travaillé beaucoup sur les maquettes. Et le soir, en rentrant chez moi, j'avais envie de découvrir, de me créer un projet, un premier projet perso où je pouvais monter la maquette qui me correspondait à moi, m'amuser un peu plus. Parce que bon, faire de la maquette pour les communes... c'est assez charté, ouais. On n'a pas le droit de modifier la maquette qui a déjà été établie, c'est vachement encadré. Donc j'avais besoin, j'ai ressenti le besoin de créer une charte, une maquette. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de créer une maquette en partant de rien. C'est un peu la frustration des gens aussi sur InDesign. On se retrouve devant la page vide, comment on découpe, quel type de grille on va adopter, etc. Il y a plein de questions qui se posent dès le départ, avant de commencer un document. Et de là, j'ai créé le magazine de moto. Pour me former et puis aussi pour me prouver que j'étais capable de créer un magazine tout seul. Et de voir que avec ce genre d'outils, tu avais largement moyen justement de faire ça. C'est ça, ouais, il manquait que la photo. Et c'est parce que tu n'avais pas la photo dans tes compétences que tu t'y es mis et que tu t'es... Exactement. D'accord, donc avant ce magazine, tu n'avais pas du tout de... Non, c'est mon premier magazine qui m'a amené à faire de la photo. D'accord. J'ai acheté mon premier réflexe pour pouvoir aller, parce qu'en fait c'était un magazine de moto trimestriel, donc je me déplaçais pas mal sur des événements, donc le salon du 2 roues et tout, et j'arrivais à négocier des passes presse pour pouvoir faire mes articles et essayer de faire mon magazine, développer mon magazine en ligne, et donc j'ai très vite acheté un appareil photo pour avoir des photos de qualité. Ouais. Ouais, pour pas trop te trouver limité en termes de technique, pour que tu puisses... Surtout en termes de qualité, puisque bon, la maquette, le texte, tout est vectoriel. Mais pour les photos, créer un magazine avec des photos de mauvaise qualité, c'est... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça se voit assez vite, en fait. C'est ça. J'ai eu plein d'exemples pendant que je travaillais dans l'édition. Des photos prises au téléphone dans des maquettes en double page, pixelisées à 130%. C'est ça, ouais, c'est toujours sympa, c'est toujours... Est-ce que je vais retrouver... Ah bah voilà. Donc, comment tu l'appelles, Street Road Mag? Street Road Mag, voilà. Donc là, c'est le premier magazine que j'ai créé. Celui-là, c'est le numéro 2, c'est le dernier. Je me suis épuisé après, parce que j'étais tout seul à tout faire. Ouais. Détourer les photos, démarcher les concessionnaires pour avoir des accès aux fichiers pub, presse, etc. Donc le salon de la moto, où j'ai réussi à avoir des pubs avec des partenaires. Donc Yacouba Gall, pour les motards qui connaissent un peu moto et motards. Mmh. C'était, il faisait partie de l'équipe de moto et motards il y a quelques années. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a aiguillé aussi. Au début, j'étais jeune graphiste. Mmh. Et il m'a encouragé à développer mes compétences sur les logiciels, à pas avoir peur de me lancer dans des défis comme là. Mmh. Créer un magazine, il me disait c'est très ambitieux, t'es tout seul, tu vas voir, ça va être compliqué. Mais c'est bien, faut essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais. Voir ce que tu peux apprendre. Faut pas t'arrêter avant d'avoir fini le... Exactement. Et donc, du coup, j'ai appris énormément de choses. Déjà sur la construction d'un magazine, le boulot de chacun des membres d'une équipe qui travaille sur un magazine, ouais. Le rédacteur en chef, le maquettiste, le photographe, enfin tout, c'est un tout. Et j'ai dû tout faire tout seul, c'était très formateur et ça m'a appris à gérer des projets de manière autonome, à me lancer des défis aussi. Donc voilà, toutes les photos qui sont dans le magazine, du coup, c'est mes premières photos. Je me suis très vite pris au jeu, où là, par exemple, pour les 24 heures du Mans en 2011, j'ai réussi à accéder à la piste pour pouvoir shooter les motards qui passaient à haute vitesse avec mon premier téléobjectif. Wow. Parce que j'étais limité, donc on achète un réflexe au début, on n'y connaît rien. J'avais un 18-55 comme tous les photographes qui débutent. Et tu savais pas qu'il te faudrait... Bah oui, pour moi j'ai un appareil qui coûte un certain prix. Il est censé prendre des photos que je vois dans les magazines, dans les journaux. Alors que non. Il faut investir un petit peu, il faut acheter des zooms, il faut acheter des focales fixes, il faut s'intéresser aux techniques, aux méthodes... Et donc voilà, donc, et du coup je me suis fait la main sans m'en rendre compte à la photo, autour de la moto, donc c'était une superbe expérience en tout cas, moi j'en garde un très bon souvenir. Si j'étais amené à refaire un numéro, donc on voit la maquette à l'époque, j'étais très... C'est assez rectangulaire, il y a de l'habillage, il y a des... Il n'y a pas trop de liberté, j'essayais d'aller chercher une certaine liberté créative. C'est pas toujours simple. Ouais. Mais là avec le recul, je me rends compte que c'était assez limité. Alors il y a Carmen qui dit, mais combien de temps ça t'a pris pour faire ça, pour faire un numéro? 3 mois. C'était un trimestriel. Ouais, j'ai réussi à faire 2 trimestriels en 6 mois. Donc oui, j'ai pas beaucoup dormi, oui, ma femme pétait les plombs, oui, je vous épargne les détails, mais j'ai passé énormément. En plus, je venais d'avoir mon premier MacBook, donc le choc dans ma tête, il était quand même assez puissant. Je venais d'avoir mon premier MacBook, je venais de rentrer au Gobelin, je venais d'apprendre à utiliser InDesign et en moins d'un an, ben voilà. Tu t'étais lancé là-dessus. Moi aussi, je veux faire un magazine, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux être photographe, moi aussi, mon Mac, avec un Mac, on peut faire de la vidéo, ben un jour, je ferai de la vidéo. Enfin, je suis rentré dans l'engrenage et je pense qu'on est pas mal dans ma génération parce que je retrouve un peu le même mode de fonctionnement chez pas mal d'amis à moi qui font un peu le même métier, qui sont touche à tout, qui se diversifient pas mal et mais l'entonnoir se resserre quand même mine de rien parce que là 10 ans après quasiment je reviens avec un nouveau produit print qui m'a pris 4 ans. Ouais. Qui a une autre démarche, qui a un autre message. Ouais, 4 ans c'est plus... Voilà, tu sens que t'as eu plus le temps de poser, t'as moins la contrainte aussi de choper les infos, parce qu'à chaque fois que t'as une interview, un bout de texte et tout, t'écrivais tout dedans. J'écrivais tout, j'allais chercher les informations sur les nouvelles machines, les nouvelles motos qui sortaient en 2011, et donc je les essayais, bon pas pour celle-là, hein. C'était la moto d'un ami à moi, du coup j'interviewais mon ami. J'essayais de reprendre des informations que je retrouvais aussi sur le net. Et des fois, j'avais accès aux photoconstructeurs sur le salon. Je récupérais sur le stand Suzuki, m'avait filé une clé avec tout le kit presse. De quoi bosser en kit presse. Donc voilà. Et après, c'est des photos. Tout ça, c'est des amis. Hein, c'est des gars avec qui j'ai roulé pendant des années. On se faisait des balades régulièrement. J'étais vraiment motard à l'année. Je roulais sous la neige, sous la pluie, dans la brume. Mais du coup ça c'était avant la Twingo. C'était avant la Twingo et après il y a eu la période où la moto c'était un peu compliqué et voilà, j'ai eu donc une Twingo et je me déplaçais en voiture. D'où la Twingo du début dans le brouillard. Donc vraiment un gros boulot, de quoi expérimenter sur InDesign, de quoi mettre en place pas mal de points maquettes et tout, et du coup le magazine maintenant, les 2 numéros sont disponibles sur Issu. J'ai mis le petit lien pour ceux que ça tente dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait, où on va maintenant? Alexandre Becquet qui dit je suis dans l'engrenage, bienvenue. On n'est pas seul, je pense qu'on est beaucoup. Ouais, vous... Mais c'est bénéfique, c'est bien. En tout cas, tant que c'est fait avec amour et beaucoup de passion, je pense qu'on peut tout se permettre. Il n'y a pas de règle. Tout à fait. Franck Païen est pas mal aussi. Je t'ai vu expérimenter des choses avec son téléphone. Je fais de ces trucs, moi. Mais je vous parlerai de ce que je fais avec mon téléphone un peu plus tard. On se fera une session dédiée à capture, on se fera une session dédiée à récupérer des typos et savoir comment elles s'appellent et d'où elles viennent. Voilà, ça c'était cette partie-là. Qu'est-ce que tu as encore sous ta boîte? J'ai des images de l'expo à Lille. Ah, chouette. Donc là, je peux peut-être commenter en direct. Vas-y. Mais je sais pas trop si j'ai des choses à dire. Donc là, j'étais dans mon bureau, en train de préparer mes cadres pour aller exposer le lendemain à Lille. Et donc j'ai commencé le montage de la vidéo de l'expo 2 jours avant l'expo. Ouais, t'es courageux. Voilà. Donc la mise en cadre, la mise en cadre des photos. Je me suis filmé, comme pour la DeLorean en fait. J'ai pris l'habitude, je me suis fait un système où je peux me filmer rapidement avec un iPad. Au-dessus de mon bureau, au-dessus de mon plan de travail. D'accord. Comme ça, ça te permet de garder toujours en fait une trace visuelle, de la construction d'un projet ou. Donc voilà. Et du coup, donc après, j'ai cellophané tous mes cadres pour pouvoir les transporter facilement. C'est ça. Sans les courir, sans les. Et croiser les doigts pour que ça casse pas au passage. Donc voilà. Donc l'association Shootin. Donc c'est des élèves de l'école Schema à Lille qui m'ont démarché sur Instagram. D'accord. Pour créer un événement. Okay, ouais, où j'exposais mes photos et les élèves de l'école pouvaient venir découvrir mon travail et tout, et on a passé une super journée. C'était vraiment et du coup ils avaient les premiers Du coup j'ai reçu les livres, j'ai fait livrer les livres là-bas parce que les délais étaient assez short. J'ai réussi à me faire livrer le jour de l'expo. C'est ça. Et j'ai mis les plans où je découvre mon livre pour la première fois à Lille quoi. Alors ça fait quoi de découvrir son livre en live avec du public? Bah c'est encore plus magique parce que même là maintenant quand je regarde la vidéo et je la regarderai encore dans 30 ans, enfin je me dirai la même chose, c'est puissant de voir le fruit d'un travail de 4 ans, de le découvrir. Enfin, sur la première expo, parce que c'est la première expo Chasseur de brume, j'ai déjà exposé dans Paris mais d'autres photos sur d'autres sujets et sur cette thématique là c'est vraiment la première expo, donc le fait d'avoir eu mes premiers échantillons ce jour là je trouve ça vachement top. Ouais. Puis vraiment pour le coup t'as réussi, à gérer ça dans les délais. Ouais carrément, c'était un peu tendu, j'ai pas beaucoup dormi le soir en rentrant mais... Et du coup là aussi c'est toi encore, c'est encore toi qui filme. C'est moi qui filme. Alors même pendant l'événement et tout. Pendant l'événement oui c'est moi. Oui, il est où le photographe? Bah là il nous filme là. Ah pardon. Il y a Romain qui m'a beaucoup aidé aussi. Il était présent à Lille avec moi et du coup avec son téléphone, avec mon boîtier, il a interviewé des personnes aussi. J'ai pu reculer. Donc là il y a pas le son mais au début j'ai mis les témoignages des personnes. D'accord. Ouais. On demandait leur ressenti sur les photos etc. Et il y a des témoignages intéressants avec des points de vue différents et tout et. C'est surtout le souvenir en fait. Ouais, immortaliser l'événement, toutes les personnes qui étaient présentes puissent pouvoir se revoir peu de temps après l'événement, c'est cool. Donc voilà pour Lille. Donc ça c'est le pressbook, on peut le voir derrière. C'est la première maquette que... C'est la première maquette du bouquin avant même d'avoir sorti là. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi il veut pas mettre pause. Il veut pas. Bon. Il veut plus faire de pause. La pause, c'est filmé. Donc ouais, du coup, on a pu apercevoir rapidement là les petits livrets qui sont derrière. D'accord. Ouais, du coup, ça c'est voilà, le fameux. C'est le premier document que j'ai créé pour pouvoir faire un peu de promo, le distribuer aux gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qui étaient intéressés pour découvrir l'avancement du livre, les potentiels expos, et surtout avoir mes coordonnées pour essayer de construire, je sais pas, un événement ou quelque chose. Donc ouais, j'avais fait plusieurs exemplaires comme ça, format A5. Et au départ, je voulais vraiment faire un livre différent. Puis au final, tout le monde confondait le livre et le pressbook. Je me suis dit, allez, on est bien là. On est bien sur ce format-là, ça parle. Et donc du coup, voilà, j'ai décliné au format A4. Ok. Nice. Bon voilà. Bah écoute, la dernière, c'est quoi? Non, la dernière, c'est la DeLorean qu'on avait vue. Ouais, la DeLorean, on l'a déjà survolée du coup. Et j'en avais mis une de côté pour présenter mon chien. Sans jeu de mots. Donc voilà, cette photo-là était prise à l'iPhone. D'accord. Tout à l'heure, j'en parlais, je l'avais pas sous les yeux. iPhone 4. Ou 5, je sais plus. Mais iPhone. Mais avec suffisamment de définition, suffisamment Et alors, t'as réussi à la faire valider par Samuel ou pas? Je sais pas. Samuel, si tu nous entends. J'attends ta validation pour cette photo prise à l'iPhone. Non, mais vraiment, moi, les techniques photo, enfin, pour moi, ce que je disais dans l'introduction du Pressbook, j'ai tapé un petit texte un peu descriptif sur le sujet. Je pense que le meilleur outil pour créer de l'image, c'est l'œil. Avant d'avoir un appareil photo, un boîtier, ou voilà, le meilleur créateur de souvenirs, ça reste quand même le cerveau humain et l'œil, du coup. Et pour moi, l'outil que je vais utiliser pour immortaliser le brouillard ou immortaliser une scène qui me parle, ça peut être n'importe quoi à partir du moment où j'arrive à la prémâcher dans Photoshop ou la basculer en noir et blanc. Est-ce que t'as parfois du coup des frustrations, genre tiens, si j'avais eu tel boîtier à tel moment, j'aurais... Oui, parce que avec le réflexe, on a quand même des possibilités qui sont au-delà de ce que les téléphones avant pouvaient nous donner. Parce que maintenant avec l'iPhone X, quand je vois certains tricheurs qui arrivent à avoir des photos portraits sans lumière, sans éclairage, sans rien, ouais, enfin, c'est assez bluffant. Donc je pense qu'on y arrive de plus en plus. Mais pour le moment, non, ça m'arrive encore d'avoir des passages où je regrette de ne pas avoir l'outil adéquat pour photographier. Mais je pense que je vais poursuivre mon travail en argentique. Quand j'ai vu la déception de Samuel Cueto, je me suis dit bon, il a pas tort. Une fois que le maître, ou en tout cas, il a pas tort. Et puis même moi, je commençais à être un peu plus à l'aise du coup dans ma démarche, dans la manière de photographier aussi. T'auras moins l'impression de gâcher du film. Ouais. Ceci est pas simple. Hein. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup démocratisé les choses. C'est clair. Mais surtout en argentique, il y a la surexposition à prendre en compte. C'est trop compliqué. Il faut s'aider avec les applications, des cellules pour smartphone, pour avoir les réglages adaptés. On peut tricher pour utiliser l'argentique avec les connaissances d'un pro grâce à la technologie. Donc je vais essayer de m'y pencher et de poursuivre mon voyage avec la DeLorean, avec plus d'argentique et un peu plus de villes en France. Voilà, en gros. On se fait un dernier tour sur Marly ? Oui, Marly. Alors, donc, je vais rebondir sur cette photo-là. Vas-y. C'était un matin où j'avais pas de chien encore. J'ai rencontré donc cette dame qui promenait son chien au loin. J'ai réussi à la photographier au téléobjectif. Il devait être 6h30, 7h. Et donc il y avait la brume qui était vachement... Là notamment, c'est vraiment une transition entre l'hiver et l'été. Donc cette brume-là, au bout de 30 minutes, elle disparaît complètement. Et peu de temps après cette photo, il y a un chien qui est venu squatter chez moi. Et ça fait 3 ans qu'il est là maintenant. Et je l'ai pris en photo, dans le brouillard. Il m'accompagne souvent quand je me promène et je voudrais vous le montrer. Voilà, c'est lui. Et donc ce fameux chien, ce jour-là, il m'a fait une belle surprise. C'est qu'il est parti en chasse. Donc il est dans le thème. C'est ça, et lui, mais... c'est plus un chasseur de lièvres, du coup. C'est ça. C'est pas un chasseur de brume encore. Non. C'est plus un chasseur de lièvres. Et pour l'anecdote, je les voyais moi au loin parce que donc j'étais avec mon chien sans laisse, donc d'habitude il reste près de moi. Et je voyais les lièvres assis au loin. Genre dans tranquille. On se doute de rien, on est bien. Mais c'est quand même impressionnant un lièvre, hein. Assis avec les oreilles relevées, et ils atteignent quand même facile 80-90 cm. Hein. Une belle bête. Pour certains. Et du coup, mon chien les sentait, mais il les voyait pas. Donc, je m'inquiétais pas plus que ça. J'essaie de retrouver la photo avec le lièvre. C'est des beaux lièvres là en bas. Ils sont énormes. J'essaie de retrouver la photo que je vais pas retrouver naturellement. T'as le droit de placer toutes tes doubles pages. Donc là, on le voit en bas à droite en train de chasser. En train de commencer à les courser. Et il est parti 45 minutes. Ah oui, donc en direction... tu t'es dit, ça y est, il a débarqué un jour et il va disparaître dans la foulée. C'est ça. Et donc il est parti en direction de... Enfin, le lièvre le promenait. D'ailleurs, il jouait avec mon chien parce que je le voyais ralentir, se retourner, attendre que mon chien cavale pour le rattraper. Et puis après, il repartait. Enfin, c'était magique à voir. Mais sur le coup, j'étais pas serein parce qu'il se dirigeait vers la route, vers la forêt. Il y avait les chasseurs qui chassaient. J'entendais les coups de cartouche. Alors en page 60, t'as un lièvre tout seul. Ah, c'est lui que je cherche. Page 60. Voilà. D'où l'intérêt du papier. Bah oui, ça va beaucoup plus vite. Et puis c'est plus agréable de regarder une photo. C'est ça dit ? Ouais. Papier. C'est celui-là, on est d'accord. C'est ça. Il va falloir que tu mettes des métadonnées sur tes photos. On va les retrouver plus rapidement. C'est ça. Mm. Et donc le voilà, le fameux lièvre. Ouais. Et donc ce lièvre-là, bah, mon chien l'a senti, il a pisté, et ils sont partis, ils m'ont laissé dans la boue avec mon sac, mes boîtiers. Là pour le coup, j'étais équipé pour faire de la photo. Mm, c'est ça. Pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes. Alors il y a Romain qui dit, penses-tu un jour changer de marque de boîtier? Si oui, vers qui irais-tu? Je pense que c'est une commande de Noël. Mmh. Alors je pense changer de marque de boîtier parce que j'en ai un peu marre de me promener avec tout l'attirail. Donc les boîtiers qui sont déjà lourds, les grips, les batteries supplémentaires, les téléobjectifs, les focales fixes, les machins, les trucs. Je me retrouve avec un sac de 30 kilos. Waouh. Et sachant que bon, je pars jamais avec mon sac à moitié plein, je prends toujours tout ce que j'ai pour pas avoir de regrets. Ouais, c'est ça. Soit je pars faire de la photo et je prends tout, soit je prends rien et je prends mon vélo, je vais me promener et si je vois de la brume ou un truc intéressant, j'ai mon téléphone. Mais du coup, pour pallier ces deux extrémités, je vais essayer d'acheter un appareil intermédiaire. Je sais pas encore quel type de boîtier je vais prendre, ni quelle marque. Ouais. Fujifilm apparemment, ils font des trucs pas mal. Lumix aussi. Mais j'ai vraiment envie d'opter pour quelque chose de numérique qui s'éloigne vraiment de la photo puriste et tout, mais qui produit des images avec une résolution quand même assez importante. Et donc ouais, ce serait le prochain boîtier. Donc je suis pas sûr de prendre un Nikon. Ouais, il y a le Nikon aussi. Nikon, ils en ont un qui tue. Mais non, mais on fera du shopping après. Hein. Allez, vas-y, la dernière vidéo. On verra. Ouais, bon, de toute façon, j'ai fini. Hein, j'ai pas de. On voit un peu. J'ai remis un peu dans l'ordre les images. Donc, je l'avais filmé avec le lièvre. On voit le lièvre traquer. Ah, amusé à faire du tracking dessus. Ouais, mais c'est. Et donc voilà, donc mon chien qui court, il essaie de sortir le lièvre. À un moment donné, il a commencé à passer. Après, j'étais trop intrigué par la série photo. Je l'ai mitraillé. Jusqu'à un moment donné où il a disparu, j'ai baissé l'appareil. Je me suis rendu compte qu'il était presque comme ça. De cette photo là je me suis dit oh là là, ouais, stop, j'ai baissé l'appareil photo et j'ai réalisé qu'en fait là j'étais à 300 mm. Ouais, et que pas mal, la réalité était beaucoup plus éloignée que ce que j'imaginais. Donc voilà pour l'anecdote avec Marley et moi. Parfait. Bah écoute, je pense que ce sera plus ou moins le mot de la fin maintenant que le chien est revenu. Il va bien? Oui, il va très bien, il est en pleine forme. Alors c'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette session. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était assez cool, plaisir. Ça a permis de voir bah, le résultat du livre. Donc le livre donc, qui est là, Chasseur de brume. Pour l'instant, il existe. Donc t'as récupéré tous les exemplaires, c'est ça ou pas encore? Pas encore. Non, ils sont partis à l'impression. Ils sont en impression, donc je vais les recevoir d'ici une semaine ou deux. Et donc j'en ai eu 100, je sais plus combien. Il y avait 156 commandes sur le Ulule. 156 précommandes. Et l'idée c'est d'en faire, enfin en tout cas d'en vendre 500 au total. Je ferai des séries de 500 exemplaires. Et donc il y en a 3 prochains qui vont arriver après celui-là. D'accord. Dans l'objectif d'en faire un gros. Donc là ce sera vraiment mon vrai premier livre avec un L majuscule. Donc vraiment un gros bloc de 300-400 pages noir et blanc uniquement dans le brouillard. Donc avec des histoires un peu différentes. Hein. Donc là, ce voyage-là... Avec la suite, pouvoir retrouver un petit peu tout ça. Et au-delà de ce voyage-là, du coup, ce sera disponible pour les gens qui n'ont pas vu passer la campagne Ulule. Ah oui, sera disponible comment? Sur mon site. Directement sur le site. Ça sera en ligne. Une chose à la fois, une chose à la fois. T'as 2 semaines pour mettre le site en ligne. Ouais. Là, il est en cours, j'ai presque fini, mais j'ai encore un peu de boulot. Très bien. Mais du coup, il sera en commande en ligne sur mon site. Directement. Ok, super. Et bah écoute, merci beaucoup, bonne continuation. Et à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à beaucoup. Alexandre pour les liens, à Romain pour toutes les histoires off et la commande de Noël, Vadim, Panda, etc., Daniel, tous les gens qu'on voit régulièrement. On se retrouve prochainement, mardi, on reparle encore de photos ensemble, on va se trouver un petit thème sympa entre Lightroom, Camera Raw, comme d'habitude. Je vais essayer d'explorer encore des choses qu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup de voir. Et n'hésitez pas, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, pour pas rater le début, parce que j'en ai vu 2-3 me dire « mais tiens, je crois que je suis arrivé en retard », eh bien n'hésitez pas, vous pourrez vous reconnecter, vous pouvez vous abonner, regarder les prochains sujets et demander à être averti de leur arrivée. Allez, sur ce, au revoir. Au revoir. Soyez sages, bonne journée.